Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette sixième et dernière rencontre du cycle Zéro émission nette organisée par l'Institut Paris Région. Je suis Louise Wessmann, chef de projet chez Rougif Territoire, et j'aurai le plaisir d'être à nouveau votre animatrice ce matin. Donc si vous avez suivi les rencontres précédentes, vous le savez, ce cycle vise à échanger sur les enjeux et les défis à relever pour engager l'Île-de-France sur le chemin de la neutralité carbone. Chaque rencontre propose un axe, une entrée thématique, et celui d'aujourd'hui sera les mobilités. Alors, avant de vous présenter plus en détail le déroulé de la matinée, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut Paris Région les replays des rencontres précédentes, ainsi que des bibliographies qui sont mises à disposition, vous proposant tout un ensemble de documents pouvant vous donner des infos supplémentaires par rapport aux replays sur les différents sujets qui ont été abordés. Alors, je vais à présent vous présenter le déroulé de la matinée. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Le voici, excusez-moi pour le petit délai. Donc, la matinée va se dérouler comme suit. On aura un premier temps introductif en deux séquences, avec une première séquence consacrée aux enjeux franciliens de la mobilité bas carbone, avec les interventions de Florian Tedeschi, ingénieur en planification des transports à l'Institut Paris Région, et de Frédérique Prédali, urbaniste transport au département également mobilité et transport à l'Institut Paris Région. Alors, une seconde séquence sera dédiée aux leviers à actionner pour une mobilité bas carbone, avec l'intervention d'Aurélien Bigot, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité à l'Institut Louis Bachelier. Le temps sera suivi d'une table ronde consacrée aux questions d'aménagement et aux questions comportementales, et qui visera notamment à s'interroger sur nos pratiques de déplacement. Elle sera constituée de trois interventions, alors celle de Catherine Pilon, secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables, et de Julien de Labaca, consultant fondateur du cabinet Le Facilitateur de Mobilité, qui viendront nous présenter des pratiques de mobilité à privilégier aujourd'hui et des choix d'aménagement qui les incitent. Ensuite, Heleen Buldeo Rai, postdoctorante à la chaire Logistics City de l'Université Gustave Eiffel, viendra nous parler du e-commerce, des déplacements et de leur évitement qu'induit le e-commerce. Enfin, à 11h05, une nouvelle table ronde sera dédiée à la motorisation et la transition de parcs de véhicules, avec les interventions d'Aurélien Bigot, qui interviendra cette fois sur les technologies, les usages et les véhicules. Une intervention de Christophe Schmitt, directeur des relations institutionnelles pour HEPPNER et président de la commission logistique urbaine de l'Union TLF, donc c'est l'Union des entreprises transport et logistique de France, qui nous présentera le point de vue d'un transporteur sur la question de pourquoi finalement adopter un parc zéro émission. Et enfin, Cécile Lanza, chef de projet Zone à faible émission à la ville et Eurométropole de Strasbourg, viendra nous présenter le dispositif Zone à faible émission qui a été mis en place. Enfin, à 12h05, Laurent Calvalido, directeur général adjoint du pôle logement, transport au Conseil régional d'Île-de-France, viendra nous présenter les politiques régionales mises en place pour répondre à ce défi que sont les mobilités zen. Alors, comme pour les 5 rencontres précédentes, les interventions seront combinées à des temps d'échange au cours desquels vos questions pourront être posées aux différents intervenants. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'icône Q&A qui est à droite de votre écran. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont posté. Bah, Solène Devine, notamment, a posté. Donc, ce système vous donnera accès, en fait, à un système de questions-réponses. Vous pouvez poser directement vos questions. Vous pourrez y voir aussi les réponses qui y sont apportées au fur et à mesure, ainsi que liker les questions des participants au fur et à mesure de la rencontre, ce qui permettra de les faire remonter, de les rendre visibles, et me permettra notamment de les poser ensuite aux intervenants lors des temps dédiés à cela, au long de la matinée. Alors, nous allons également utiliser ce matin l'outil d'animation numérique Bicast. Des activités vont vous y être proposées tout au long de la rencontre, auxquelles vous pourrez accéder via un nouvel onglet de votre navigateur. Elles permettront de venir nourrir les échanges de la matinée, ainsi que les futurs travaux de l'Institut Paris Région. Donc, pour vous y connecter, je vous invite dès à présent à aller sur le site bicast.live. Via votre téléphone, vous pouvez aussi le faire effectivement avec votre smartphone ou via un nouvel onglet de votre navigateur, et à entrer le code session cyclezen 6. Donc le lien va aussi vous être mis dans le Q&A. Donc une première activité formulaire sondage qui a été proposée lors du temps de préconnexion. Je vais vous proposer de continuer cette activité pour les personnes qui n'étaient pas présentes lors du temps de préconnexion. Cette activité visait à nous permettre de savoir de façon un peu plus précise la façon dont vous, acteurs franciliens, avez fait évoluer vos pratiques de mobilité cette dernière année. Donc je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter à Bicast. Une fois sur la page, je vous invite à cliquer sur l'onglet « Activités » pour y sélectionner l'activité proposée qui est ici un formulaire. Les résultats de ce formulaire seront présentés lors du temps d'échange prévu à la fin de la première table ronde dédiée spécifiquement aux questions comportementales et aux questions d'aménagement. Mais avant cela, je vous propose que nous commencions dès à présent avec notre séquence introductive et les interventions de Florian Tedeschi, ingénieur en planification des transports, et de Frédérique Prédali, urbaniste transport, au département mobilité et transport justement de l'Institut Paris Région, qui vont nous présenter les enjeux franciliens de la mobilité bas carbone. Florian, Frédérique, je vous invite à rouvrir votre micro et votre caméra et je vous laisse la parole. Bonjour. 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 Alors, hop. Donc, j'ai votre support. Je vous partage ça tout de suite. Ça prend juste une petite manip. Et voici. Super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci Louise de nous donner la parole. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec la première slide, avec un schéma que vous avez sûrement déjà vu si vous avez participé aux autres ateliers et qui détaille la structure des émissions de gaz à effet de serre de la région Île-de-France selon les différents secteurs d'émissions. C'est le petit schéma en haut à gauche. On voit que le transport il totalise 31% des émissions sur trois sous-catégories. Le premier, c'est le transport routier qui est prépondérant dans les émissions avec quasiment 30% des émissions à l'échelle de l'Île-de-France. Le transport ferroviaire et fluvial, à côté, qui est un tout petit point, et les plateformes aéroportuaires. Un petit rappel sur le mode de comptabilité des émissions de gaz à effet de serre. Ici, on considère tout ce qui circule sur les infrastructures d'Île-de-France. Donc, on a vu les routes, les lignes ferroviaires, les fleuves, etc. Et ça, que les passagers qui circulent, en fait, soient franciliens ou non, et que les marchandises aussi qui circulent sur le réseau francilien, soit pour la consommation francilienne ou non. Concernant les plateformes aéroportuaires, qui est la troisième catégorie de transport, on est sur un mode de calcul un peu particulier puisqu'on considère en gros toutes les consommations liées au décollage et à l'atterrissage des avions sur les aéroports franciliens. Donc on est vraiment sur la partie locale du transport aérien. Cela dit, on peut mettre en lumière deux spécificités franciliennes. La première, c'est que le domaine des transports arrive en deuxième position des émissions. Alors, quasi ex-aequo avec le résidentiel, qui est à 33%, alors que dans la plupart des autres régions, en fait, c'est l'inverse. C'est le transport qui est le premier émetteur et le résidentiel qui arrive en second. La deuxième spécificité, c'est qu'en fait, si on rapporte ces émissions en fait, du transport au nombre d'habitants, on voit que les émissions franciliennes, en fait, elles sont assez faibles. En Île-de-France, le secteur des transports émet environ 1 tonne équivalente de carbone en fait, par habitant, alors que c'est quasiment le double en moyenne pour un Français. Si on passe à la slide suivante, elle permet de donner un premier facteur explicatif en fait de ces émissions relativement faibles pour ce qui concerne le transport de voyageurs. On sait qu'en Île-de-France, on dispose d'un réseau structurant de transport en commun qui est extrêmement maillé, extrêmement couvrant, le RER, le Transilien, le métro, le tramway, le réseau de bus aussi. Et ce graphique permet d'illustrer ce sujet en détaillant en fait les modes de déplacement qui sont utilisés pour se rendre au travail selon lieu de résidence. Alors on a choisi ce motif de déplacement, domicile-travail, parce que c'est celui qui génère les distances de déplacement les plus longues dans la mobilité quotidienne. Ce qu'on voit, c'est que les transports en commun ils sont très utilisés sur Paris et en petite couronne, où ils sont prépondérants, avec respectivement 64 et 45% de part modale. Et ils restent assez hauts en grande couronne, puisque la part modale du transport en commun est encore de 29%. Et même si c'est plus faible qu'en petite couronne et sur Paris, ça reste beaucoup plus utilisé en fait que sur les grandes agglomérations de province en moyenne. En petite couronne, on utilise encore 3 fois plus les transports en commun que dans les grandes agglomérations hors Île-de-France. Alors, sur la slide suivante, on revient un peu à la structure des émissions de gaz à effet de serre en fait, des transports en Île-de-France. On voit que le transport routier il est très prépondérant puisque c'est 90% en fait, des émissions du transport avec 12,5 millions de tonnes d'équivalent carbone par an. Alors que le transport ferroviaire et fluvial émet très peu. On est à peine à 30 tonnes par an. Si on regarde d'un peu plus près justement ces émissions en fait, liées au transport routier qui sont prépondérantes, on voit qu'elles sont liées en gros pour 2 tiers au transport de voyageurs, dont principalement en fait l'usage de la voiture, 56%, les 2 roues motorisées et les bus pesant chacun pour 4%, donc quelque chose de très circonscrit. Et le tiers restant, c'est lié plutôt à la circulation, en fait, ce qu'on pourrait appeler la logistique, répartie en parts égales entre les véhicules utilitaires légers, qui sont liés soit du transport de marchandises, soit à la circulation des artisans, et les poids lourds. Mais ça, Frédérique y reviendra un petit peu plus précisément dans la suite de la présentation. Donc voilà, le message de ces slides, c'est de dire effectivement que finalement, c'est sur les émissions du transport routier qu'il faut agir, que c'est là où il y a le gisement le plus important de gaz à effet de serre, que ce soit par du report modal, des changements de motorisation, mais ça va vraiment être le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, la slide 4 suivante, pour illustrer de manière un peu différente ce sujet-là, on rappelle en fait les facteurs d'émission des différents modes de transport par passager pour 10 km parcourus. Donc, c'est toujours en gros une distance de l'ordre pour se rendre au travail. Ce qu'on voit, c'est que le métro, il émet 50 fois moins de gaz à effet de serre que la voiture thermique pour une même distance. Et le RER et le Transilien, pareil, on est sur 40 fois moins. La marche à pied et le vélo étant totalement neutres en carbone. Ce qui est intéressant de voir avec ce graphique aussi, c'est que même si on considère la voiture électrique, qui est réputée, on va dire, plus écologique que la voiture thermique, on se rend compte que les transports ferroviaires massifiés émettent encore de 4 à 5 fois moins, quand même, que le véhicule électrique. Alors, une toute petite attention à ces chiffres, parce qu'on regarde ici que les gaz qui sont émis pour faire fonctionner les transports, en gros leur exploitation, soit l'électricité pour le RER, soit le carburant pour la voiture, etc. etc. On ne tient pas compte là-dedans du cycle de vie des véhicules, donc en gros tout ce qui est émis pour la construction des véhicules, le recyclage et aussi les infrastructures. Et Aurélien reviendra un petit peu plus tard au début de la table ronde numéro 2, où on va vraiment regarder d'un peu plus près, c'est justement ces... bilan en analyse de cycle de vie où on regarde vraiment l'ensemble des émissions liées au transport et pas seulement leur exploitation. Slide suivante, on vous propose une petite rétrospective justement sur les kilomètres parcourus en voiture particulière par les Franciliens, puisqu'on a vu que c'était un des plus gros postes d'émissions à gaz à effet de serre, pour voir comment ça a évolué en fait depuis les années 70. Ce qu'on voit, c'est qu'entre 1976 et 2010, c'est la courbe bleue, en fait, la courbe bleue foncée tout en haut, ils ont quand même augmenté de 80%. Donc, c'est un quasi-doublement du nombre de kilomètres parcourus en voiture par les Franciliens. Et ça, c'est très multifactoriel, en fait. Donc, on a détaillé 4 facteurs, en fait, qui jouent dans cette augmentation du nombre de kilomètres parcourus. Le premier, c'est l'évolution de la population, la courbe bleu clair, hein, qui suit une pente finalement assez constante. Et qui en gros a évolué de, c'est plus un quart entre 1976 et 2010. On a aussi l'augmentation globale de la mobilité, c'est la courbe orange, c'est-à-dire l'augmentation finalement du nombre de déplacements par habitant, qui reste assez stable jusqu'aux années 90, puis qui augmente régulièrement à partir des années 2000. La part modale de la voiture, ça c'est aussi assez intéressant, qui est en grise, et qu'on voit bien qu'en fait, on a une augmentation assez constante de la part modale de la voiture jusqu'en 2001, puis une chute assez drastique en 2010 et jusqu'en 2018, où finalement, on revient en termes de part modale quasiment au point de départ, entre guillemets, à ce qui se passait en fait à la fin des années 70. Et enfin, le dernier facteur, c'est l'augmentation de la distance parcourue en moyenne à chaque déplacement, qui est lié en particulier en fait à l'étalement urbain, qui est lié au fait qu'effectivement, les lieux de résidence ont tendance à s'éloigner des lieux d'activité en particulier. Et là, c'est une courbe jaune, alors qui suit pour le coup le même profil que la précédente. On voit qu'on a une forte augmentation en fait des distances parcourues par déplacement jusqu'en 2001, et ensuite une baisse à partir de 2010. Et pour la suite, je vous laisse au bon soin de Frédérique. Merci Florian. Alors, on voit sur la diapo suivante que l'allongement des distances parcourues se traduit différemment selon les territoires. Donc sur la carte, là, on voit le découpage morphologique qu'on a fait de communes en Île-de-France à l'Institut et l'analyse qu'on a fait de la mobilité sur ces différents territoires montre que quel que soit le tissu de résidence, qu'on soit en zone dense ou non, un Francilien réalise les mêmes activités et consacrent le même budget temps à se déplacer au quotidien. La différence, en fait, entre la mobilité d'un habitant du centre de l'agglomération et un habitant de la Grande Couronne réside dans la distance qu'il va parcourir au quotidien, qui, elle, varie du simple au double. Donc, Paris, plutôt de l'ordre de 16 km par jour, contre 31 km pour la Grande Couronne. Sur la diapo suivante, je vais vous parler du transport de marchandises en Île-de-France et de ses tendances. Alors en fait, le transport de marchandises est le reflet de nos modes de production et de consommation qui ont fortement évolué depuis les années 2000 avec la globalisation et le développement du e-commerce. Alors en Île-de-France, on a constaté une explosion des flux de marchandises en nombre, mais aussi en distance parcourue. Et le transport de marchandises francilien est largement dominé par le mode routier. Donc là, sur le graphique, vous voyez le camembert bleu, qui est la part assurée par les poids lourds des tonnages transportés, donc qu'ils effectuent à hauteur de 88%, ce qui est considérable, laissant pour le fluvial et le ferroviaire 5 et 6% des tonnages, et l'aérien, une part vraiment très minoritaire, évidemment, avec 1% des tonnages transportés. Donc, souvent, dans nos imaginaires, on a tendance à croire que les émissions atmosphériques du transport routier sont dues pour l'essentiel aux poids lourds. En fait, ils ne sont responsables seulement que de 20% des émissions de gaz à effet de serre du transport routier en Île-de-France. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une grande partie des mouvements sont en fait réalisés par les véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Donc c'est vraiment eux qui assurent les livraisons, les parcours du dernier kilomètre. Alors, le souci aussi qu'on a, c'est pour ce parc, que ce soit les poids lourds ou les véhicules utilitaires légers, on est sur des véhicules qui sont à motorisation diesel. Hein, c'est 97% du parc francilien qui est dieselisé. Donc, il y a peu de place hein, pour aujourd'hui qui est faite pour les énergies alternatives. Donc le territoire francilien n'est encore que faiblement équipé en stations de recharge d'énergie alternative au regard de ses besoins. Mais il y a eu quand même des évolutions rapides. Par exemple, sur les stations GNV, il y en avait 10 en 2017. Aujourd'hui, il y en a 25 et 11 en projet. Donc l'enjeu principal, ça va être vraiment pour ce parc de sortir du tout diesel d'ici 2024. C'est aussi un sujet que nous aborderons dans les tables rondes. Diapo suivante. L'autre impact, c'est celui sur la logistique. En fait, pour répondre aux besoins, les sites logistiques sont de plus en plus nombreux, de taille croissante, et pour les grands entrepôts, ils sont situés au-delà de la francilienne. Donc on a plus de la moitié des surfaces construites depuis 2000 sont se situent au-delà de la francilienne, alors que c'était plutôt de l'ordre d'un tiers avant ces années-là. Ce desserrement logistique induit davantage de kilomètres parcourus par les véhicules, donc davantage de congestion, et l'un comme l'autre induisent davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a donc un enjeu de réduction des kilomètres parcourus par la consolidation des flux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises. Diapo suivante. On a deux grands chantiers en Île-de-France qui vont dans le sens de la réduction des émissions. Alors tout d'abord, les projets de transport en commun en site propre, que ce soit les métros, qui sont des lignes qui sont prolongées, des nouvelles lignes de tramway ou des prolongements, et puis bien évidemment le réseau du Grand Paris Express. Voilà pour l'essentiel. En parallèle, il y a des efforts qui sont faits pour verdir la flotte de bus, avec notamment l'électrification de la flotte de bus de la RATP d'ici 2025. Et puis, le troisième grand chantier, c'est celui de la zone à faible émission du Grand Paris, qui concerne déjà 79 communes, qui s'adressent à la fois aux véhicules particuliers et aux véhicules qui assurent les livraisons, qu'ils soient des véhicules utilitaires légers ou des poids lourds. Et puis, dans cette zone du Grand Paris, c'est plus de 5 millions d'habitants qui sont concernés et qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'aides pour l'achat ou le renouvellement de leurs véhicules, que ce soit pour un véhicule neuf ou d'occasion, du moment qu'il soit électrique, hybride, qui fonctionne à l'hydrogène ou au GNV. Diapo suivante. Pour finir, on peut aussi se demander si nos comportements de mobilité changeront après la crise sanitaire, vers plus de sobriété. C'est un peu l'idée du sondage aussi que vous avez en ligne actuellement. Alors ce qu'on a observé, outre la diminution de la mobilité liée à la crise sanitaire, c'est à peu près 25% de déplacements en moins par rapport à une année normale 2018, d'après les enquêtes de déplacement en Île-de-France. Donc il se dégage en fait trois grands phénomènes. Il y a celui du télétravail, dont le recours a été massif chez les cadres et dans une moindre mesure chez les professions intermédiaires. Donc, c'est une population d'actifs qui utilise communément soit les transports en commun pour se rendre au travail, soit leur voiture. Et durant le premier confinement, il y a à peu près 39% des actifs qui ont eu recours au télétravail au lieu de 18% avant le confinement. Donc ça, c'était d'après une enquête Médiamétrie que l'Institut a menée l'an dernier pendant le premier confinement. Avant le reconfinement de la Toussaint, Île-de-France Mobilité a fait une enquête sur la mobilité et là a constaté que seuls 13% des actifs occupés étaient en télétravail un jour donné. Donc c'est quand même un gros potentiel de télétravail. Donc ceci laisse présager une désaturation des transports publics aux heures de pointe. En revanche, on attend sûrement moins d'impact du côté du réseau routier. Les modes individuels seront peut-être plutôt plébiscités après la crise, davantage encore qu'avant. Le deuxième phénomène, c'est la croissance significative de l'usage du vélo. On a à peu près 25% de déplacements supplémentaires par rapport à la situation avant la crise sanitaire. Donc c'est beaucoup, mais il faut savoir que c'est localisé surtout en zone urbaine dense et par une population plutôt de cadres et d'étudiants. Donc il y a un vrai enjeu de pérennisation de ces pratiques et qui va être surtout lié au maintien des aménagements cyclables qui avaient été faits pendant la crise sanitaire, des coronapistes, voire aussi à la poursuite du développement des infrastructures cyclables. Et puis le troisième phénomène, que pendant la crise, la marche a été très employée, évidemment, et qu'elle reste le premier mode de déplacement des Franciliens, puisque c'est vraiment une caractéristique de l'Île-de-France, que ce soit avant la crise ou pendant, la marche est le premier mode de transport en nombre de déplacements. Donc cette part de la marche continue de croître en grande couronne du fait de la baisse des déplacements en voiture pour se rendre au travail. Donc on a observé une baisse de l'usage de la voiture d'environ 30% en Grande Couronne et aussi pour les déplacements de la Grande Couronne vers Paris. Voilà, à voir si ça perdurera. Donc voilà pour ce panorama des enjeux franciliens, pour une mobilité plus zen. Donc Louise, je vous rends la parole. Merci Frédérique. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Frédérique, n'hésitez pas à aller répondre au sondage qui a été mis en ligne et qui justement va voir si ça corrobore les résultats qui ont été montrés. Donc merci à tous les deux pour cette présentation et cet état des lieux francilien. Donc face à ces constats, quels leviers peut-on et doit-on mettre en place pour aller vers une mobilité bas carbone? C'est justement l'objet de notre prochaine intervention qui sera réalisée par Aurélien Bigot, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Louis Bachelier. Alors Aurélien, parfait, vous avez déjà projeté votre PowerPoint. Merci à vous. Bonjour déjà pour commencer. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Donc en effet, je vais revenir sur les principaux leviers de la transition énergétique à une échelle française, donc suite aux travaux de thèse que j'ai pu réaliser sur ce sujet des transports face au défi de la transition énergétique. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte les émissions passées qu'il y a pu y avoir en France sur l'ensemble des transports, donc là ce sont les transports intérieurs, donc sans les transports internationaux. Donc les émissions ont été en croissance très forte jusqu'au début des années 2000. En France, on verra un petit peu ce qui a pu expliquer ce pic au début des années 2000. Et sur les dernières années, les émissions sont plutôt relativement constantes, voilà, autour de 140 millions de tonnes équivalent CO2. Et puis, ce qu'on peut regarder également, c'est quelle est la trajectoire qui est prévue d'ici 2050. Et c'est une baisse extrêmement forte des émissions qui est prévue aussi bien à court terme que à plus long terme pour tendre quasiment vers zéro émission directe, c'est-à-dire une sortie quasiment totale du pétrole à cet horizon-là, en sachant que voilà, ça s'inscrit dans un objectif global d'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 qui a été fixé récemment et qui demande du coup pour le secteur des transports une transformation assez majeure. Alors sur quels facteurs on peut compter pour réduire les émissions de CO2 des transports? La stratégie nationale bas carbone française met en avant 5 leviers pour réduire les émissions. Donc le premier de ce levier, c'est la demande de transport. Donc c'est notamment le nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs ou le nombre de tonnes kilomètres transportées pour les marchandises. Donc on peut modérer cette demande de transport, c'est le premier levier. Ensuite, le second levier, c'est celui du report modal. Donc c'est faire en sorte que cette demande de transport passe par des modes moins consommateurs d'énergie, moins émetteurs de CO2. Donc ça peut être les transports en commun, les modes actifs, le ferroviaire ou le fluvial par exemple pour les marchandises. Ensuite, il y a un troisième levier qui est celui du remplissage des véhicules. Donc, c'est notamment le potentiel du covoiturage pour la voiture. Il y a un quatrième levier ensuite d'efficacité énergétique des véhicules. Donc, il y a à la fois des leviers technologiques d'amélioration des motorisations, d'électrification aussi du parc, mais aussi des leviers de sobriété, comme par exemple la baisse de vitesse sur les routes ou encore la baisse du poids des véhicules. Et puis enfin, le dernier levier, le cinquième, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie ou la décarbonation de l'énergie. C'est faire en sorte qu'on passe du pétrole qui aujourd'hui représente plus de 90% des énergies consommées, donc une énergie qui émet beaucoup de CO2, à des énergies moins intenses en carbone, donc par exemple l'électrique, l'hydrogène, le biogaz ou encore les biocarburants, à condition que toutes ces énergies-là soient produites de manière durable. Donc ces 5 leviers, je ne vous demande pas de comprendre l'équation ici, mais l'intérêt c'est qu'en fait ils peuvent être multipliés pour retrouver l'évolution des émissions de CO2 au cours du temps en regardant quel a été l'impact relatif de ces différents leviers. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps en regardant l'explication de l'évolution passée des émissions, donc sur 1960-2017. Donc en premier lieu sur les voyageurs, ce qu'on peut voir sur les voyageurs, c'est que par rapport à une base 1 en 1960, les émissions ont été multipliées par 4,2. Donc on retrouve la tendance avec une sorte de pic au début des années 2000. Ensuite, donc les 5 différents leviers, on peut regarder comment ils ont évolué. Le premier de ces leviers, donc c'est le levier de la demande de transport. Cette demande a été multipliée par 4,7, donc avec un impact majeur à la hausse sur les émissions. Pour une partie, c'est lié à l'augmentation de la population, comme ça avait été montré aussi tout à l'heure sur l'Île-de-France, et pour une plus grande partie encore par l'augmentation des kilomètres parcourus par personne, qui ont aussi eu d'ailleurs un pic au début des années 2000, donc c'est pas sans conséquence avec ce pic sur l'ensemble des émissions. Puisqu'on voit aussi comme les émissions de CO2 et la demande de transport, ces deux courbes sont restées très proches au cours du temps, et qu'en fait, ça s'explique par le fait que les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru, pour le coup, ont très peu baissé au cours du temps. Et comment on peut expliquer cette faible baisse, finalement, moins 12% sur l'ensemble de la période? C'est par le fait que les quatre autres leviers de la décomposition, donc report modal, remplissage, efficacité et intensité carbone, se sont beaucoup compensés entre eux. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Pour le report modal, c'est un levier qui a plutôt contribué à la hausse sur les émissions. C'est comme ça qu'on peut lire en gros un plus 22% lié au fait qu'on a beaucoup remplacé des pourcentages de kilomètres parcourus à pied par des kilomètres plutôt parcourus en voiture sur le début de la période. Et il y a un autre levier qui est celui du remplissage des véhicules qui a aussi participé à la hausse des émissions parce que ce remplissage a baissé pour les voitures. Et puis enfin, deux facteurs qui ont joué à la baisse sur les émissions, de manière assez régulière, l'efficacité énergétique des véhicules qui s'est améliorée, et puis de manière plus faible, l'intensité carbone de l'énergie qui s'est améliorée au moment du développement des biocarburants. Mais en réalité, quand on les regarde aujourd'hui en analyse de cycle de vie, ils ne sont pas vraiment moins émetteurs que le pétrole. Donc si on ajoutait aussi leurs émissions, on verrait un découplage entre la demande et les émissions qui serait encore plus faible. C'est cette courbe des émissions en pointillé ici. Assez rapidement, je vais montrer aussi les tendances sur le transport de marchandises. On retrouve aussi une augmentation assez forte des émissions de CO2 sur la période, donc ×3,3. De nouveau, on retrouve un impact majeur de la demande de transport sur l'ensemble de la période, donc les deux courbes sont très proches. Et puis, donc, les émissions de CO2 moyennes par tonne-kilomètre ont peu baissé. C'est lié au fait qu'il y a un facteur qui a joué majoritairement assez massivement à la hausse sur les émissions, c'est le report modal vers le transport routier, qui a été beaucoup plus massif comme impact que pour le transport de voyageurs. Et par contre, les trois autres leviers, donc remplissage des véhicules, celui-là s'est amélioré, l'efficacité s'est améliorée un peu aussi, et puis l'intensité carbone également. Ce qu'on peut voir là-dessus, en tout cas sur à la fois voyageurs et marchandises, c'est l'impact majeur de la demande de transport sur les émissions. Il y a eu assez peu de politiques publiques mises en place pour modérer cette demande de transport jusqu'à maintenant. Les politiques publiques se sont beaucoup focalisées sur les quatre autres leviers, sans pour l'instant que ça ait permis vraiment des baisses très fortes, comme on a pu le voir, des émissions de CO2 par kilomètre. Donc il n'y a pas eu vraiment de rupture, en tout cas sur le pic des émissions, c'est assez peu lié à des politiques publiques. On peut regarder ensuite ces cinq leviers, quelle est leur contribution possible à l'avenir pour atteindre l'objectif de neutralité carbone et de décarbonation du secteur des transports. Je vais illustrer ça tout d'abord avec la stratégie nationale bas carbone. Donc cette stratégie nationale, on l'a vu, arrive quasiment à zéro émission pour les voyageurs d'ici 2050. Et comment évoluent les différents leviers? Pour la demande de transport, ce qui est prévu, c'est qu'elle augmente de plus 26%, donc pour moitié liée à l'augmentation de la population et pour autre moitié liée au fait qu'il y aurait plus de kilomètres parcourus par personne. Ensuite, il y a le levier de report modal qui permet une baisse relativement faible des émissions de l'ordre de moins 8%. Ensuite, le levier du remplissage des véhicules, donc le covoiturage ici, c'est moins 11% à peu près. Et puis enfin, deux leviers majeurs, c'est à la fois l'efficacité énergétique des véhicules et l'intensité carbone de l'énergie. On peut le voir aussi ça sur le graphique à droite. Donc ce sont ces deux leviers qui contribuent de manière majeure à la baisse des émissions. Sur le début de la période, ça devait être essentiellement la meilleure efficacité des nouveaux véhicules thermiques sur lesquels on a pris beaucoup de retard ces dernières années. Donc on risque de louper nos objectifs de court terme sur la baisse d'émissions des émissions des transports. Et puis, progressivement, c'est via l'électrification des véhicules qui permet à la fois une meilleure efficacité énergétique et de se sortir aussi des énergies fossiles et de réduire aussi l'intensité carbone de l'énergie. On peut comparer ces chiffres de la stratégie nationale bas carbone avec d'autres scénarios de transition énergétique qui ont été faits pour la France sur les transports. Et c'est ce que je fais sur ce graphique pour chacun des cinq leviers. Donc on a vu que la stratégie nationale bas carbone prévoyait plus de 26% sur la demande. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que la moyenne de quatre scénarios tendanciels que j'ai pu comparer est plutôt à 20%. Donc la SNBC est encore au-dessus. Et puis dans les scénarios les plus ambitieux, là c'est la moyenne des quatre scénarios les plus ambitieux parmi ceux que j'ai comparés, on est plutôt à moins 10%. Donc un potentiel qui est important par rapport à ce qui est prévu par la stratégie nationale bas carbone. Ensuite, sur le levier du report modal, il y a assez peu d'évolution dans les scénarios tendanciels ou jusqu'à moins 20% d'émissions dans les scénarios les plus volontaristes. et la stratégie nationale bas carbone est donc un taux intermédiaire à moins 8%. On retrouve à peu près les mêmes éléments sur le covoiturage avec un faible quasiment équivalent. Et puis enfin, sur les deux derniers leviers d'efficacité énergétique et d'intensité carbone de l'énergie, ce sont deux leviers qui sont complètement majeurs, en tout cas pour atteindre de fortes baisses d'émissions d'ici 2050 et atteindre quasiment zéro émission directe. Mais la stratégie nationale bas carbone est obligée d'agir très fortement, en tout cas, sur ces deux leviers, étant donné que les trois premiers leviers, qui sont davantage des leviers de sobriété, de changement de comportement ou encore d'aménagement du territoire, sont beaucoup moins sollicités. Donc, c'est essentiellement les leviers technologiques qui permettent, dans le scénario de la stratégie nationale bas carbone, donc de la climatique actuelle, de réduire les émissions. Au-delà de cette évaluation temporelle que j'ai pu mettre en avant pour aller vers une évaluation plus globale des 5 leviers, on peut regarder donc les tendances passées, les potentiels futurs, ce que j'ai pu mettre en évidence. Mais ce qui est important, c'est de regarder aussi l'analyse des émissions de manière plus large, donc à la fois les interactions qui existent entre les 5 facteurs, donc de demande, de report modal, de remplissage, d'efficacité et d'intensité carbone, et aussi quelle est l'analyse de cycle de vie plus globale des technologies qui sont développées. Donc, par exemple, dans l'analyse précédente, quand je mettais une baisse extrêmement forte par le développement de la voiture électrique, en l'occurrence, c'était uniquement en considérant les émissions directes. Donc, une voiture électrique en émissions directes, c'est zéro émission, mais on sait bien qu'il faut prendre en compte ça de manière plus globale. On y reviendra dans la partie suivante de l'événement. Et puis enfin, regardez bien évidemment les coûts et bénéfices sociétaux plus globaux de ces différentes évolutions. Donc l'impact sur les autres externalités, ce qu'on peut voir, c'est que des mesures qui vont vers plus de sobriété en général ont des co-bénéfices sur les autres externalités, soit congestion, pollution, accidentologie, etc., qui sont bien plus intéressants que les mesures technologiques en général. Et puis après, bien sûr, les questions de facilité et de coûts de mise en œuvre qui sont aussi importants, primordiaux dans cette transition. Avant de conclure sur les enseignements, je vais revenir sur quelques éléments sur l'évolution de la demande, puisque ça va faire aussi l'objet des prochaines interventions. Donc sur les facteurs clés ou les moyens d'influencer aussi cette demande pour modérer la demande de transport à l'avenir. Sur les variables clés, ça a été cité tout à l'heure, on peut évoquer les caractéristiques des mobilités, éventuellement regarder ça aussi par mode de transport, avec notamment 3 critères qu'on peut mettre en avant, c'est soit les temps de transport, soit le nombre de trajets ou encore les kilomètres parcourus. Ce qu'on a pu voir par le passé, si on prend le passé assez lointain, si on prend les 2 derniers siècles, on a des temps de transport qui sont relativement stables, autour de 1 heure par jour. On a un nombre de trajets qui est aussi relativement stable, autour de 3 à 4 trajets par jour en moyenne. Donc ça, c'est resté relativement stable depuis 2 siècles. Ce que ça nous indique, c'est que les temps moyens par trajet sont de l'ordre de 15 à 20 minutes aussi. Et ça, c'est des choses qui sont assez constantes selon les différents modes de transport. Mais dans le même temps, par contre, nos kilomètres parcourus par jour et par personne ont complètement explosé. Depuis 2 siècles, ils ont été multipliés environ par 10 à 12 sur cette période. Et ce que ça nous indique, c'est que, comme les temps de transport dans le même temps sont restés constants, c'est que la vitesse moyenne des déplacements a été multipliée aussi environ par 10 à 12, et que cette vitesse moyenne des déplacements plus élevée nous a permis aussi de faire donc des distances plus élevées, et qu'en moyenne, nos distances de déplacement ont été multipliées aussi par 10 à 12. Et ça peut nous renseigner sur les moyens à l'avenir de modérer la demande de transport. On peut se demander, est-ce que du coup, il faut réduire le nombre de trajets, un peu un facteur, disons, des mobilités. Est-ce qu'il y aura des effets rebonds, par exemple, par contre, parce que, en général, comme c'est assez stable, est-ce qu'on profitera de cette démobilité pour faire d'autres types de trajets ou des trajets plus longs, ou est-ce qu'il faut jouer sur l'aménagement, donc réduire la distance moyenne des déplacements, ou encore sur un certain ralentissement des mobilités qui finalement, s'il est bien couplé à l'aménagement du territoire, pourrait encourager aussi à réduire les kilomètres parcourus. On a pu voir en tout cas par le passé, donc une des analyses aussi développées dans la thèse, sur la vitesse moyenne des déplacements, elle a été en forte hausse jusqu'au début des années 2000, il y a eu un pic à ce moment-là, qui concorde aussi avec le pic sur les kilomètres parcourus au début des années 2000, et on l'a vu aussi avec le pic sur les émissions de CO2. Ici, c'est les émissions de CO2 moyennes par personne. Donc, une importance majeure de ces 3, une proximité très proche de ces 3 leviers, Et puis à l'avenir, on pourrait aller vers un certain ralentissement, en tout cas une certaine stagnation de la vitesse moyenne de mobilité, voire ralentissement même si on se tourne davantage par exemple vers les modes actifs, vers des trajets plus courts qui sont aussi des trajets plus lents, ou encore vers un ralentissement des déplacements en ville sur le 30 km/h, ou à longue distance par exemple sur le 110 km/h sur les autoroutes. Dans le même temps, la stratégie nationale bas carbone, elle prévoit une augmentation des distances parcourues. Donc ça pourrait se matérialiser par une hausse des temps de transport, donc qui serait quelque chose un peu à questionner. On voit aussi en rupture par rapport au passé, c'est un découplage extrêmement fort entre la demande de transport et les émissions de CO2. Donc pour revenir là-dessus sur les principaux enseignements, en fait je viens de citer un peu les trois principaux points. Il y a un lien historique très fort entre la vitesse, les distances parcourues et les émissions de CO2. Il y a eu un plafonnement de ces variables au début des années 2000. Sur la vitesse moyenne, il y a notamment eu un lien avec la mise en place des radars à partir de 2003. On a vu un faible effet des politiques publiques environnementales sur les émissions de CO2 jusqu'à maintenant. Et puis un fort découplage qui est prévu entre la demande et les émissions d'ici 2050. Sur la période 2015-2030, on aurait dû passer à moins 3,8% par an sur ce critère-là, alors qu'on était à moins 0,5% par an sur les 25 dernières années. Et puis deux leviers majeurs dans la stratégie nationale bas carbone, à la fois l'efficacité et l'intensité carbone de l'énergie. Ces deux facteurs sont dans tous les cas majeurs, quels que soient les scénarios. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'à la fois la technologie et la sobriété seront des évolutions indispensables à combiner de manière forte, et la sobriété des scénarios sobres par rapport au tendanciel permettrait de diviser par deux les consommations d'énergie, donc c'est un potentiel qui est vraiment très loin d'être négligeable. Et puis un certain nombre de mesures de transition énergétique aussi ont tendance à aller plutôt dans le sens d'un ralentissement des mobilités. Je m'arrête ici, merci pour votre attention. Merci Aurélien pour cette introduction au levier de la mobilité bas carbone. Donc, il y a des questions qui vous ont été posées dans le chat, mais on va revenir dessus à la fin de la première table ronde et lors du temps d'échange dédié du coup à votre intervention et à cette première table ronde. Donc nous allons à présent poursuivre sur la question des leviers avec notre première table ronde intitulée « Se déplacer moins et différemment ». Table ronde qui sera découpée en deux séquences, l'une consacrée aux pratiques de mobilité à privilégier et aux choix d'aménagement qui les incitent, et la seconde au e-commerce. Commencer notre séquence, donc j'invite Julien de Labaca qui vient de se connecter, c'est parfait, consultant fondateur du cabinet Le Facilitateur de Mobilité, et Catherine Pilon, secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables, à se connecter également. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Alors, bonjour. Julien, ma première question est la suivante. Parmi les leviers évoqués par Aurélien Bigot, quels sont ceux qui paraissent le plus significatifs, prioritaires à mettre en œuvre aujourd'hui ? Merci déjà pour cette invitation et je suivais avec attention ce que disait Aurélien juste avant. Je vais vous répondre en fait, faire une réponse négative. C'est-à-dire que je vais plutôt prendre l'angle de ce qui me paraît ne pas fonctionner et après discuter de quelques leviers possibles et intéressants. Ce que moi je remarque depuis plus d'une décennie, hein, mais ça fait même beaucoup plus longtemps, c'est que la question du report modal finalement, elle ne répond plus aux enjeux contemporains de la mobilité. Pour de multiples raisons en fait, parce qu'elle possède de nombreux angles morts. La mobilité aujourd'hui est beaucoup plus intermodale, ce qui était quand même moins le cas encore il y a quelques années. Il y a des nouvelles solutions qui peuvent créer des nouveaux besoins, on l'a vu notamment avec la question de la trottinette, ou qui peuvent même cannibaliser des modes qui n'étaient pas forcément ciblés à la base. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. La question de la non-mobilité ou de la démobilité a été peu analysée dans ces logiques de report modal qui restent du coup extrêmement, enfin peu exhaustives. Et enfin, on a assez peu intégré l'évolution technologique au sein même du report modal. Et en fait, on l'a fait souvent de manière séparée. Et c'est un peu ce que disait jusqu'à présent Aurélien. Au-delà, en fait, ce qui est très intéressant quand on travaille dans le secteur de la mobilité, c'est qu'on se rend compte d'ailleurs que le monde du transport collectif, le monde du vélo, le monde du piéton, si on peut les appeler comme ça, ne se parlent pas. C'est quand même encore des secteurs qui sont très cloisonnés. Et du coup, parler de report modal et avoir cette vision théorique dans la réalité, en fait, ne fonctionne que assez peu. Le deuxième levier dont on a un peu parlé, c'est celui de la technologie. Alors aujourd'hui, il est beaucoup mis en avant comme une solution magique. Moi, je bosse beaucoup sur les sujets de data, d'information voyageur, etc. On en parle au travers de la motorisation, de l'évolution des motorisations. On le voit là, beaucoup à la télé avec l'hybridation, l'électrique qui est en train de faire un gros carton. On le voit dans le domaine du digital avec le big data, l'intelligence artificielle ou le concept de la smart city. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technologie, elle est consommatrice d'espace, beaucoup. Elle est consommatrice d'énergie et elle se dépasse elle-même. C'est-à-dire que très rapidement, elle devient obsolète. Elle est d'ailleurs assez souvent liée à une hypercroissance qui est liée à une partie urbaine. Du coup, fort de ce constat-là et en prenant juste ces deux petits biais, hein, la question de la technologie et du report modal, moi, ce que j'ai réussi à avoir en à peu près 15 ans, alors j'ai bossé un tiers de mon temps en agence d'urbain, un tiers en collectivité et un tiers pour mon cabinet, c'est que il y a un vrai besoin d'avoir des politiques publiques qui soient ambitieuses, mais qui soient intégrées et plutôt horizontales. Il y a la question des modes dont j'ai parlé juste avant, qui doit être vue de manière beaucoup plus large, beaucoup plus intermodale, et en relation avec un usage des transports qui est beaucoup plus opportuniste, parce qu'on a plus de choix. Donc en fait, je pense qu'on aurait plus intérêt à parler de qualité modale que de report modal ou que de mode de déplacement, pour pouvoir vraiment analyser les choses avec une vision qui est peut-être beaucoup plus large. La deuxième question, le deuxième sujet de la technologie, moi j'y crois beaucoup, mais dans une logique facilitatrice. C'est-à-dire comment est-ce que la technologie permet d'optimiser l'existant, d'une part, ça c'est extrêmement important. Comment la technologie peut assurer une gestion dynamique des mobilités, et ça c'est un vrai sujet sur les flux. On l'a vu notamment avec la crise sanitaire, on le voit notamment avec la crise sanitaire. Et aussi en lien avec la crise sanitaire, comment la technologie permet de pousser des politiques publiques qui soient plus adaptables à des événements imprévus. On parle de résilience. Donc finalement, c'est un peu ça que je vois, c'est-à-dire prenons ces choses qui aujourd'hui peut-être sont un peu, pas des échecs, mais sont dépassées, c'est-à-dire cette vision très technocentrée et très report modal qui est un peu dépassée, comment est-ce qu'on peut en faire des chances si on inverse un peu la donne et si on voit les choses un peu autrement. Merci Julien. Du coup, comment mettre en œuvre ces leviers? Est-ce que vous auriez un ou deux exemples à nous présenter? Alors j'en ai trois, je vais essayer d'être très rapide, de vous faire ça en 5-6 minutes. Si ma presse marche, j'espère, vous me le confirmez. Ça fonctionne, oui, oui. Je veux parler de trois exemples qui sont extrêmement intéressants. Alors c'est pas du tout exhaustif, c'est une vision relativement partielle des choses, mais première vision, celle de Bilbao, Pays Basque espagnol, 300 000 habitants, et une ville en fait qui a une particularité, comme pas mal de villes du Pays Basque espagnol, c'est que la moitié quasiment de la population habite en hauteur. Et quand je dis en hauteur, pour en avoir discuté avec pas mal d'habitants, une petite mamie me disait, moi, pour aller de chez moi au centre-ville, au marché, il faut que je parcours 350 marches, ce qui, à mon âge, en fait, est un peu compliqué. Avec une vision finalement technocentrée ou très dans une logique modale, on aurait pu se dire, bah, très bien, on va mettre en place des lignes de bus, pourquoi pas du transport à la demande, pour aller finalement desservir les quartiers qui sont en hauteur. Bilbao a fait un autre choix, Bilbao a fait le choix de la mobilité verticale. Et la mobilité verticale, en fait, c'est quoi? C'est 54 ascenseurs et escalators automatiques, donc escaliers mécaniques, en fait, hein, à l'échelle de la ville, qui, en fait, offre une autre vision de la ville, une autre vision du déplacement qui est plus inclusive, qui est moins centrée sur l'offre, qui est peut-être plus pérenne, parce qu'elle est utilisable potentiellement 24 heures sur 24, parce qu'elle fonctionne tous les jours. Qu'elle va pas forcément subir des mouvements sociaux ou des choses qui pourraient bloquer son usage, et qu'elle est extrêmement facile à utiliser et gratuite. Donc en fait ici la techno, on va dire la mécanique, elle serait plutôt utilisée, on va dire, pour offrir une information en temps réel sur la disponibilité de cette infrastructure, mais elle n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé ces choses-là pour faciliter la mobilité. Et ensuite la technologie pourrait être mise au service de chaque habitant via ce biais-là. Ça, c'est un exemple Pays Basque espagnol. Là, je change complètement de focus et je vais dans des contrées qui sont beaucoup plus lointaines et plus froides, sûrement, bien que moins pluvieuses. Oslo, en Norvège, 600 000 habitants, donc c'est pas extrêmement, c'est pas une très grande métropole, c'est plutôt une métropole moyenne. La mairie a mis en place deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est la question du budget climat, c'est-à-dire qu'en fait, la dynamique environnementale, elle est intrinsèque à toute décision municipale, c'est-à-dire que si vous voulez prendre une décision, que ce soit dans le domaine de l'éducation, du transport, en tout cas tous les domaines de compétences de la mairie, à la fin il y a un budget climat, c'est-à-dire qu'on va calculer les émissions de CO2 que ça va générer, ensuite on va y mettre un budget en face, on va dire ok, on a la capacité de faire ou de pas faire en fonction de cette green analyse. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de remettre la question de l'environnement dans tous les sujets. Évidemment, la question du transport est la plus présente. Il y a un projet particulier qu'a mené du coup, suite à ça, la mairie d'Oslo. C'est le projet qu'on appelle le Free Car Zone, où en fait, l'idée était de récupérer un maximum d'espace qui était dédié à la voiture pour le mettre à disposition du vélo ou du piéton. Et en fait, cette vision, elle est accompagnée d'une seconde vision qui est extrêmement intéressante, c'est le fait de développer la mobilité électrique. Alors là, on pourrait se dire c'est une vision un peu technocentrée des choses, c'est une vision où on pense que l'évolution de la motorisation va énormément faire évoluer les choses, mais pas que. Premier élément, il faut savoir que la production d'électricité en Norvège à 97% est liée à l'hydroélectricité. Donc en fait, c'est une énergie électrique qui est verte. Ce qui veut dire que la Norvège, de ce fait, et donc la ville d'Oslo qui est la capitale, a la capacité de pousser une mobilité électrique verte. Et d'autre part, elle ne le fait pas que en poussant uniquement la solution de la voiture. Elle le fait aussi en poussant des solutions, notamment sur la logistique urbaine. Donc là, on le voit, on est sur un hub qui est à l'entrée de la ville, et dont l'objectif est de créer une logique de logistique urbaine où les véhicules qui arrivent, mais aussi les véhicules qui redistribuent, sont totalement électriques. Et cette logique-là, elle est poursuivie à travers chacun des nouveaux projets qui sont mis en place dans le cadre de cette Free Car Zone. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que la technologie, elle pourrait permettre demain de faire plein de choses. Elle permet de savoir quand les véhicules électriques rentrent dans la ville en mettant en place un système de péage urbain. Elle permet de faciliter aussi une vision dynamique des choses, mais là aussi, un peu comme à Bilbao dans l'exemple précédent, la technologie est juste un outil facilitateur et le vrai projet d'Oslo, c'est une mobilité entièrement décarbonée et surtout reprendre de l'espace public au profit de la voiture. Je prends un dernier exemple qui me semble aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on a toujours une vision du vélo qui est très vélo-vélo. C'est-à-dire un mode qu'on va mettre à la place d'un autre ou qu'on va considérer comme meilleur ou plus vertueux, etc., etc., au service de la ville. Le vélo, il a aussi un énorme potentiel quand il est mis bout à bout, notamment avec le train. C'est-à-dire que le train a une grande efficacité énergétique. On est en train potentiellement de le redévelopper, en tout cas on le souhaite en France. Le vélo plus le train, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a un exemple qui est très intéressant en Hollande qui s'appelle OV-Fit. OV-Fit, c'est quoi? C'est un dispositif qui vous permet d'avoir, avant de prendre le train et ensuite après votre train, un système de vélo en libre-service qui est lié aux gares, qui est principalement lié aux gares et aux stations de métro, en tout cas aux générateurs de flux importants en transport collectif. Et c'est un système qui est extrêmement facile à utiliser, qui est lié à votre abonnement et qui a été mis en place en 2008 aux Pays-Bas. Donc ça fait quand même très longtemps. Et aujourd'hui, ça marche très bien parce que 40%, plus de 40% à 44% des voyageurs qui arrivent en train viennent en vélo à la gare. Et la redistribution, une fois qu'ils arrivent sur le lieu de destination, est aussi extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 500 vélos qui ont été déployés sur 300 gares. Et aujourd'hui, c'est 900 000 abonnés qui utilisent ce système, enfin en tout cas en 2019, juste avant la crise. Et là, en fait, la technologie, pour revenir sur ce sujet dont on a parlé tout à l'heure, elle est au service d'une intermodalité vélo plus train. Et elle va servir à faciliter l'accès au vélo, faciliter l'accès à une information voyageur sur le train. Donc, encore une fois, c'est une technologie qui est facilitatrice. Je vous ai parlé de ces trois exemples qui sont des exemples de villes. Donc là, Eindhoven, c'est pareil, hein, c'est 300 000 habitants à peu près, de villes de taille moyenne qui pourraient marcher sur des plus grandes métropoles, mais en tout cas qui montrent une vision qui n'est pas uniquement centrée sur le report modal, qui n'est pas uniquement centrée sur la technologie, mais plutôt sur du bon sens vers des modes de déplacement et des pratiques de déplacement qui sont beaucoup plus vertueuses et majoritairement décarbonées. Donc il y a énormément d'autres exemples, ceux-là sont très intéressants et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je suis à peu près resté dans mon timing, du coup je passe la parole à Catherine, me semble-t-il. Tout à fait, merci beaucoup Julien. Alors, Catherine, justement, comme l'a indiqué Julien de Labaca, il s'agit ici de repenser finalement la construction de la ville et les politiques publiques au sens large. Justement, comment pour vous les politiques publiques pourraient-elles aujourd'hui pousser davantage la question des modes actifs? Alors, moi je représente un réseau de 220 collectivités territoriales de toute taille qui portent vraiment la question des modes actifs dans leur politique de déplacement. Donc, il y a un biais, en fait, on a affaire dans l'association aux plus motivés. Mais néanmoins, on accueille des nouvelles collectivités et on peut vraiment voir comment elles se lancent dans l'aventure. Donc, c'est un réseau qui est à la fois un réseau technique et un réseau d'élus. Et ces élus, ils prennent en charge l'ensemble des déplacements. Et il porte la conviction que le vélo, c'est une solution, une bonne partie de la solution, mais qu'il ne faut pas négliger aucun autre mode de déplacement et qu'il faut prendre en compte justement cette chaîne de déplacement et qui est nécessairement intermodale, comme vient de le dire Julien de Labaca. Donc, je voulais juste réagir à sa phrase sur les mondes sont très cloisonnés. C'est quand même de moins en moins vrai et ils se parlent de plus en plus. En tout cas, moi, je passe mon temps avec aussi les collectifs de piétons et bien sûr avec le GART sur les transports en commun. Donc, on a quand même, on se parle beaucoup et je pense que l'intermodalité va aller croissante comme une solution. Il n'y a pas de solution unique et il y a des bouquets de solutions. Alors, comment pousser davantage ? Pour les collectivités, là, il y a évidemment un intérêt à surfer sur la vague de la hausse de la pratique cyclable avec les 30% d'augmentation entre 2020 et 2019, quand on enlève les périodes de confinement, bien sûr. Le vélo devient de plus en plus une évidence, quelque chose de légitime qui s'invite en fait avec les autres modes comme une solution de déplacement. Et puis, il devient beaucoup plus visible. Avec les compteurs, les collectivités développent des comptages qui sont affichés dans la ville, avec de plus en plus de cyclistes et l'apparition de bouchons, comme aux Pays-Bas, avec l'apparition de la couleur aussi sur les pistes cyclables, que ce soit des couleurs pour signaliser la présence de cyclistes pour les automobilistes ou pour les piétons, ou le jaune qui a servi à délimiter les pistes de transition pour le déconfinement. Et donc, tout cela fait que on a un vélo qui est plus visible et qui est plus populaire, qui donne envie. Il y a un vrai désir de vélo. Et ça, évidemment, pour les collectivités, elles peuvent s'appuyer là-dessus et surfer sur cet enthousiasme et cet engouement. Donc, en gros, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pousser la solution vélo, c'est quand même pas sans créer de conflits. Et donc, les collectivités ont à cœur de penser la complémentarité des usages, donc avec les déplacements intermodaux et avec une forte attention. Alors, sur les déplacements intermodaux, là aussi, les photos hollandaises présentées juste avant montrent bien à quel point on ne pourra pas mettre tous les vélos dans les trains. Et même si, avec la LOM, il y a une amélioration de l'emport des vélos dans les trains, avec une augmentation du nombre de 8 vélos par train, on n'arrivera évidemment pas à mettre tous les vélos dans les trains. Les trains sont là pour transporter des voyageurs et pas que des vélos. Donc, l'enjeu du stationnement autour des gares est énorme et celui de la location facilitée à l'arrivée aussi est important. Sur l'intermodalité, je voulais pas aller plus loin, peut-être sur la cohabitation entre les vélos et les piétons. Beaucoup de mises en opposition qui donnent, les piétons ont pu avoir l'impression qu'il n'y en avait que pour les vélos ces derniers temps. Et c'est vrai que les pistes de trottoir, les pistes cyclables ont été beaucoup plus nombreuses que les trottoirs de transition. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus cher de reprendre les infra piétonnes avec la question de l'accessibilité. Il faut vraiment remettre du matériau, alors que pour les pistes transitoires, la peinture a suffi. Donc, il y a eu évidemment beaucoup plus. On a fait une enquête avec le club qui est consultable sur notre site internet où on voit bien qu'il y avait une préoccupation d'en profiter pour élargir aussi l'espace attribué aux piétons, mais que ça n'a pas pu aller aussi vite que les pistes cyclables de transition. Donc, il y a aussi un problème de culture. On entend beaucoup parler de discours, on entend beaucoup de discours anti-vélo, oui mais les vélos, les cyclistes qui ne respecteraient pas le code de la route, etc. Alors, on ne va pas le nier, il y a certains cyclistes qui ne respectent pas correctement les règles du vivre ensemble. Et en même temps, ce ne sont pas eux qui sont responsables des accidents graves vis-à-vis des piétons. Et il y a beaucoup aussi une méconnaissance, c'est-à-dire que le vélo est devenu tellement visible qu'il devient un petit peu encombrant visuellement pour les piétons aussi, mais qu'est-ce que c'est que tous ces vélos? Et je pense qu'il y a un travail à faire avec sur la pédagogie du code de la route et du code de la rue pour expliquer que les nouvelles règles qui ont été votées ne sont pas des infractions, mais constituent un moyen d'accompagner l'augmentation de la pratique cyclable. Je pense au sas vélo, je pense aux tournées au feu ou encore au vélo à double sens dans toutes les zones à 30 km/h. Donc, autre levier pour les collectivités, c'est de ne plus s'appuyer sur l'étalon voiture pour penser la voirie. Aux Pays-Bas, par exemple, ou en Belgique, les feux verts, ils sont synchronisés sur la vitesse du vélo. à 20 km/h environ et pas sur la vitesse des voitures. Ça, ça change la façon de se déplacer en ville. Ça rejoint tout le mouvement des collectivités pour abaisser la vitesse à 30 km/h. Et le 50 deviendrait l'exception. Et l'Espagne, vous avez parlé de Bilbao tout à l'heure sur les ascenseurs, l'Espagne, elle vient aussi de se singulariser avec la généralisation du 30 km/h. Donc, on va l'observer avec beaucoup d'intérêt, mais c'est quelque chose que nos collectivités, enfin, nos associations cyclistes, nous soutenons dans le cadre de la loi climat, par exemple. On propose un amendement pour faire que le 30 km/h devienne la règle et non pas l'exception. Donc, ça s'accompagne de tout un travail de hiérarchisation du réseau viaire. Alors, j'aime pas trop cette formule, mais j'en ai pas trouvé une meilleure. En tout cas, 30 km/h devient la norme. Et puis, on décline ensuite des zones de rencontre à 20 km/h qui sont travaillées pour être accueillantes et pour que les piétons s'y sentent légitimes. Évidemment, l'extension des zones piétonnes et de plus en plus des pratiques de travail sur les plans de circulation qui sont revus avec l'idée de protéger les quartiers de la circulation de transit et de maintenir cette circulation de transit contre Waze et marées, de la maintenir à l'extérieur des quartiers. Donc ça, c'est tout un travail qui se lance de façon, avec des concertations très intéressantes, via des référendums ou via des concertations, des groupes de travail, etc. Ça se développe beaucoup pendant cette mandature. Et puis, rue par rue, je dirais que les collectivités du club, elles engagent un peu une conquête de l'espace. À Paris, par exemple, on a 50% de l'espace public qui est réservé à l'automobile. Il est loin de représenter 50% des déplacements. Et alors que le réseau cyclable, par exemple, ne concerne, et malgré tous les efforts qui ont été faits, que 3,8% de la superficie de l'espace public. Donc voilà, il y a vraiment de l'espace public à conquérir sur les places de stationnement, sur les voies de circulation, et le redistribuer pour les trottoirs et pour les pistes cyclables. Là-dessus, le CEREMA a fait des publications passionnantes pour faire de la pédagogie sur les nouveaux types d'aménagements et notamment les carrefours à la hollandaise qui permettent vraiment de protéger la circulation. J'ai été trop longue ou je peux aller sur peut-être Excusez-moi, oui, on va devoir avancer un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'intervenants effectivement sur la matinée. Je vous propose de poursuivre avec une question qui de toute façon va faire le lien avec celle qu'on vient de voir, qui est sur les leviers du coup qu'on peut actionner en matière d'aménagement pour encourager concrètement au changement de pratique sur les territoires. Il y a un premier levier qui est financier, nécessairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une politique nationale pour soutenir le développement du vélo, mais qui n'est pas suffisante pour atteindre la part modale qui a été fixée en 2018, à savoir 9%, passer de moins de 3% à 9% en 2024 et à 12% en 2030 avec la stratégie nationale bas carbone. Quand on regarde l'évolution de la pratique, même avec les dernières années qui sont très encourageantes, on n'arrive pas du tout à ce niveau-là. Donc, il y a un vrai souci de renforcer le soutien financier aux politiques cyclables des collectivités. En gros, aujourd'hui, le plan vélo permet de financer 0,75 € par habitant. Il faudrait le multiplier par 10, en fait, et que le soutien de l'État soit à 7,5 € par habitant. Ça permettrait de générer, d'arriver jusqu'à 30 € avec l'effet levier de l'intervention des collectivités territoriales. Et donc, là-dessus, il y a une grosse mobilisation dans le cadre de la loi climat qui est portée par plusieurs associations, la nôtre, Vélo et Territoire, et bien sûr la FUB, pour essayer d'obtenir plus de sous. Donc, le levier financier est très important parce que, en fait, les freins à la pratique cyclable, c'est la peur du vol et la peur de rouler en ville, en fait. Donc, il faut construire des infrastructures qui permettent et de stationner son vélo de façon sécurisée, et de permettre de rouler sans avoir peur de se frotter à la circulation automobile. L'autre levier, c'est vraiment d'avoir une approche systémique pour le vélo, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs piliers dans une politique cyclable et modes actifs. D'abord, il faut avoir une vision pluriannuelle du schéma cyclable et qu'elle s'articule bien avec tous les niveaux de collectivité, avec les villes voisines et avec les différents niveaux de collectivité, le département étant parfois très utile et très nécessaire à convaincre aussi et à embarquer, puisque les départements, avec les routes départementales, sont extrêmement concernés par l'amélioration du maillage cyclable. Il faut aussi avoir un volet donc infra pour rouler et pour stationner, j'y reviendrai pas. Il y a tout le volet service aux cyclistes qui se développe énormément. Là-dedans, on trouve un peu de tout. On trouve l'aide à l'achat pour inciter à acquérir un vélo et à se déplacer avec davantage. Il y a l'aide au savoir rouler, que ce soit pour les adultes ou pour les élèves, pour les enfants, avec le dispositif du savoir rouler. L'allocation sous toutes ses formes et tout ce qui est réparation. Et puis enfin, il y a un volet changement d'image avec de la communication, un changement culturel en fait à mettre en place avec des actions pédagogiques qui peuvent être aussi la réappropriation provisoire de certains espaces. On transforme un parking en une place pour une journée, pour une semaine, pour un été et ensuite on voit si ça peut fonctionner. On fait la même chose avec une autoroute. À Montreuil où j'ai été élue il y a plusieurs années, on fermait l'autoroute une journée par an pour préfigurer ce que pourrait être une autoroute sans voiture, mais avec un tramway, avec des vélos et avec des piétons. Ça marque les mentalités et ce genre de pratique de réappropriation provisoire est extrêmement utile. Ça rejoint le levier de l'urbanisme tactique qui a été beaucoup utilisé à l'occasion du premier déconfinement, avec la possibilité de mettre en place de façon très rapide, très flexible, peu coûteuse pour les collectivités, des aménagements cyclables temporaires qui répondaient donc aux besoins de créer de l'infrastructure rapidement. Ça change complètement le rapport en fait entre les élus et la population. Finalement, ça permet de dépasser un immobilisme ou un étirement des délais qui sont liés à l'attente de la conception du projet parfait. Là, ça désinhibe en fait. On dépasse les blocages a priori, on désamorce finalement les réactions, les promesses d'échec que les habitants peuvent exprimer en réunion publique. On renouvelle complètement ce dialogue démocratique. Il y a une initiative du politique qui met en œuvre le projet pour laquelle il a été élu. Il le fait et il revient ensuite devant la population pour en tirer les conséquences et pour voir s'il faut adapter ou pas. S'il faut pérenniser ou pas et comment. Donc ça, c'est vraiment un vrai outil qui permet d'aller plus loin aujourd'hui. Il y a aussi l'outil de… Alors, c'est pas un outil, mais c'est un levier. C'est l'enfant, en fait. C'est les générations futures. On le voit bien, les populations… aujourd'hui, former les cyclistes de demain, c'est un vrai enjeu. Avec le savoir rouler à vélo, qui est le pilier du savoir nager qui se met en place petit à petit, on aura des générations d'enfants qui auront appris dans le temps scolaire et périscolaire à faire du vélo et à rouler en ville, avec l'objectif que les collégiens puissent aller en autonomie et en activité à leur collège. Ça les libère aussi des parents, ça les libère… Il y a un vrai enjeu d'autonomie du jeune dans la ville. Et donc là-dessus, ça se développe beaucoup aussi pour… les collectivités s'appuient beaucoup là-dessus, sur les aménagements autour des écoles, sur la mobilité scolaire et sur l'apprentissage du vélo pour essayer de planter les graines d'une mobilité active dont on sentira les effets au plus tard dans 15 ans et au mieux avec l'influence que les enfants peuvent avoir sur leurs parents plus rapidement. Merci beaucoup Catherine. Justement, concernant ces différents leviers mobilisables, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez une différence entre les territoires denses et les territoires ruraux? Alors elle est énorme la différence. L'INSEE la mesure très bien dans sa dernière enquête sur les déplacements. On voit bien que en milieu rural, le vélo a reculé par exemple par rapport, alors qu'en urbain, il augmente un petit peu, en tout cas dans certaines collectivités. Donc, en gros, dans les centres-villes denses, la bataille, elle est gagnée aujourd'hui. C'est-à-dire dans toutes les grandes métropoles, même dans les villes moyennes, la question de la place du vélo, elle est devenue beaucoup plus légitime. Et là-dessus, ces collectivités-là, elles ont de l'ambition. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point elles peuvent parier sur une augmentation de la pratique cyclable, supérieure même aux 12%. Il y a déjà des villes qui sont à plus de 12% au niveau national, et dans certains quartiers, elles peuvent aller avoisiner avec les 20%, 25%. Lyon, il y avait un article sur Lyon cette semaine, je crois, dans la presse, qui montrait qu'on avait avoisiné de 20%, je crois, dans certains quartiers de l'hypercentre en termes de vélo-taf. Donc, voilà, dans les centres-villes denses, les parts modales augmentent, explosent, prennent sur la voiture individuelle aussi, et donc ça c'est une vraie réussite. Dans les territoires peu denses, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué, et même en banlieue parfois ou en périphérie, parce qu'il n'y a pas forcément d'alternative en transport en commun ou d'alternative à l'autosolisme. Donc là-dessus, les collectivités, elles ont les coudées moins franches, elles ne peuvent pas être aussi ambitieuses puisqu'elles n'ont pas encore eu le temps de proposer une alternative, donc ça prend plus de temps, évidemment. Mais en même temps, avec le développement du VAE en France, qui comme en Europe, à une croissance extrêmement forte et rapide, on peut allonger les distances, on peut vraiment allonger les distances, raccourcir les délais aussi en augmentant sa vitesse. Ça permet sans doute de développer un réflexe à lâcher la deuxième voiture, par exemple, pour les ménages périurbains, et à se rapprocher du vélo. Donc, dans les derniers comptages qui ont été faits par l'association Vélo et Territoire, on voit qu'en 2021, sur le premier trimestre par rapport à 2019 premier trimestre, il y a une augmentation de la pratique cyclable en périurbain qui est de 34% et en rural de 21%. Donc voilà, en gros, on part de beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de résistance et de difficultés parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, etc. Mais il y a un boom aussi dans ces territoires-là qui donne beaucoup d'espoir. Et au club, par exemple, depuis le début de l'année, là, on a une vingtaine de collectivités qui nous ont rejoints. Il y en a 9 qui ont moins de 20 000 habitants, donc on est vraiment, presque la moitié ont moins de 20 000 habitants, ce sont des petites collectivités. Et en Île-de-France, par exemple, on voit nous rejoindre, on va dire que le mandat précédent, c'était les villes de la Petite Couronne qui rejoignaient le club massivement. Cette année, enfin, pour ce nouveau mandat, ce sont les villes de la Deuxième Couronne, de la Grande Couronne qui rejoignent. Et là, par exemple, il y a Mitry-Mory en Seine-et-Marne, ou Corbeil-Essonnes, Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne, qui rejoignent le club. Donc, on est assez optimiste, sachant qu'il y a des aides qui sont quand même dédiées pour ces territoires peu denses, avec l'ADEME qui finance à Vélo 2, un dispositif pour aider les territoires de moins de 100 000 habitants à mettre en place une politique cyclable. Et puis, dans le cadre du fonds mobilité active qui est porté par l'État, on a une majoration du taux de financement pour ceux qui mettent en place un plan vélo. Donc, voilà. Il y a des grosses différences, mais on peut être optimiste. Mais il y a des solutions aussi, du coup. Donc, très bien. Et il y a des solutions. Alors, je vais redonner la parole à Julien de Labaca, puisque vous avez observé, donc vous nous l'avez montré déjà, quelques cas d'études à l'étranger. Donc, vous avez observé sur les leviers que vient de présenter Catherine Pilon. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur un exemple d'urbanisme tactique que vous trouvez particulièrement inspirant pour les collectivités franciliennes ? Oui, je vais revenir alors sur un exemple qui est assez connu, qui est, mais après je vais faire un focus. C'est l'exemple des Super IAS à Barcelone. Là, vous avez une image qui est une image là, de la 3e Super IAS qui a été développée. Ce qui est intéressant avec ce type d'urbanisme tactique, c'est effectivement qu'on va recréer des espaces très pacifiés, donc très où il est beaucoup plus facile d'avoir une mobilité douce pour les piétons ou pour les vélos, majoritairement quand même pour les piétons. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'urbanisme tactique reste un outil pour créer des espaces qui sont plus malléables, peut-être plus adaptables, mais il faut quand même garder une vision de long terme et une vision de planification. La Superia de Saint-Anthony à Barcelone, c'est quand même 14 mois de concertation publique avant de sortir quelque chose. Donc, il faut quand même se dire que oui, c'est quelque chose qui permet d'être plus malléable, plus fonctionnel, potentiellement de faire des aménagements qui sont moins coûteux, mais il faut quand même rester dans une logique de planification. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'urbanistes sûrement autour de la table aujourd'hui. Voilà, ça reste quand même juste un outil. Sur Barcelone, il faut quand même aussi pas oublier qu'il y a eu certains échecs. Hein. Il y a des premières, notamment celle de Poblenou, les premiers Super IAS qui ont été lancés. Ça a été un échec en termes de concertation parce que ça avait été lancé finalement sans discuter avec les habitants. Donc vous regarderez dans la presse, il y a eu beaucoup de manifestations, etc. Donc vraiment, il faut avoir une vision globale là-dessus. Ce qui est plutôt intéressant, alors je dirais pas à l'inverse, hein, c'est que finalement Barcelone a utilisé cette expérience des Super IAS, donc d'un urbanisme tactique, alors plus tactique que transitoire on va dire, et l'a adapté à la question des écoles. Là, Barcelone est en train de travailler sur un programme qui a démarré en 2019, donc il y a 2 ans, et qui va s'étoffer jusqu'à 2023, qui s'appelle Protegim Escolas en catalan, protéger les écoles. Et en fait, ils ont vraiment repris les concepts de l'urbanisme tactique pour le coller sur la question des écoles, parce que il y a 3 problèmes majeurs dans les écoles à Barcelone. Alors, il y en a quasiment 150. Le premier, c'est le bruit. parce qu'il y a encore des deux fois, trois voies qui traversent la ville, hein, malheureusement. Alors, c'est issu du plan de Cerda, mais pas que. Deuxième chose, liée à ça, la dangerosité, c'est-à-dire la vitesse des différents véhicules. Et évidemment, le troisième, qui est la pollution. Et il y a différentes études qui ont été menées à Barcelone qui montrent que la pollution atmosphérique a un vrai impact sur le développement cognitif des enfants, surtout les enfants en bas âge. L'intérêt du coup d'avoir appliqué la logique des super IAS aux écoles, c'est que là, ça a permis d'aller très vite, très très vite. On a une cinquantaine d'écoles qui ont été traitées aujourd'hui, avec une pacification de la circulation, donc souvent des voies qui ont été enlevées. Là, on peut le voir sur une des écoles qui est au nord-est de la ville. Là, on a carrément fermé la voie. Alors on le voit, c'est par des aménagements qui sont extrêmement faciles à mettre en œuvre, qui ont été déployés de manière extrêmement rapide. On voit encore qu'il y avait un feu tricolore au bout de la rue. Potentiellement, s'il y a vraiment un besoin urgent, on peut ouvrir cette rue-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième élément, c'est d'avoir une implication des commerçants et de la mise en œuvre en fait de tout l'espace public qui est autour de l'école pour pouvoir mettre à disposition des nouveaux espaces pour les enfants, ce qui leur permet de rester après l'école, de pouvoir jouer. Là, on le voit sur cet exemple-là, il y a des marelles pour que les enfants puissent jouer. Et en fait, on le voit, hein, moi je l'ai vraiment observé sur quelques jours, les enfants restent avec leurs parents, font leurs devoirs, etc. Finalement, c'est ce qu'on voit aussi là, sur la partie urbanisme tactique dans un des quartiers, donc ça devient des espaces de vie. Il y a un troisième élément qui est extrêmement intéressant et qui, à mon sens, est le plus intéressant sur l'urbanisme tactique. Il y a une concertation en amont, bien sûr, mais là, sur la partie des écoles, c'est vraiment un projet social où la communauté éducative et les parents sont mis à profit. On le voit pas là sur cette image-là, mais il y a une autre école, il y a plusieurs autres écoles de Barcelone où, en fait, la circulation est coupée juste pendant les heures de sortie, d'arrivée le matin et de sortie des enfants en fin d'après-midi. En fait, ce sont les parents qui gèrent la fermeture de la rue pendant ces heures-là, en collaboration avec la mairie. La mairie leur a fait passer un message très simple. J'ai interviewé quelques parents. La mairie a dit, nous, on peut pas gérer tout ça. On peut pas gérer les 120 ou 150 écoles sur lesquelles on a ce projet de pacification. On n'a pas assez d'employés municipaux pour le faire, ni de policiers. Donc, on vous demande de jouer le jeu et de le faire avec nous. Et ce qui est vraiment intéressant, du coup, là, c'est de se dire, on a cette logique de l'urbanisme tactique, en fait, du concept d'urbanisme tactique, donc d'utiliser les choses qui sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. Mais on l'a dans une logique de rapidité, parce qu'on avait une question qui était extrêmement pressante, et on l'a surtout dans le fait de se dire on va collaborer, on va mettre au milieu de ce débat-là, on va impliquer les citoyens, et là c'est les citoyens parents. Donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, et de toute façon, in fine, c'est quoi? On revient sur notre question du zéro carbone, c'est qu'on a du coup des parents qui viennent à pied chercher leurs enfants, on a des gens qui viennent à vélo, mais on n'a plus du tout d'accès à ces différentes écoles en véhicule motorisé. Donc c'est quand même ça l'objectif à la fin, avec tout ce que je vous ai dit comme enjeu sur les enfants, qui sont quand même des choses extrêmement importantes. Donc ce que disait Catherine est tout à fait juste. La question des enfants, alors on peut pas dire que c'est un levier l'enfant, mais en tout cas avoir une vision de la ville par le prisme de l'enfant, en tout cas des jeunes, est quelque chose d'extrêmement intéressant. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec une commune en leur disant moi j'ai un enfant de 2 ans, le fait d'avoir une poussette et qui est aussi une carriole pour mon vélo, je suis un diagnostic roulant, et je pense qu'il faudrait réussir à remettre ça au centre du débat pour faire en sorte d'avoir des leviers d'aménagement qui sont un peu différents. Donc voilà, c'était encore une fois un exemple qui est extrêmement précis, qui est très concret, qui est très ciblé, et qui montre quels potentiellement peuvent être les leviers, et l'urbanisme tactique avec ce focus là est quand même extrêmement intéressant à Barcelone ou ailleurs. Merci beaucoup Julien, justement c'est tout l'intérêt que de voir quelque chose de très concret aussi, d'avoir des exemples très visuels, donc merci à vous, merci à tous les deux. On va prendre quelques questions du chat, mais avant ça on va d'abord donner la parole à Heleen Buldeo Rai, postdoctorante à la chaire Logistics City de l'Université Gustave Eiffel. Donc merci Heleen, ça y est, vous êtes connectée, c'est parfait. Donc vous allez nous parler du e-commerce, et notamment le point suivant, est-ce qu'on est finalement sur un évitement des déplacements qui est vertueux ou non? Voilà, c'est un peu la question de fond. Donc merci d'être avec nous, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous voulez que je partage votre PowerPoint ou vous le faites vous-même? Partage. Oui, merci. Hop. Et voilà, c'est fait. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Heleen Buldeo Rai, chercheuse postdoctorale attachée à une chaire de recherche de l'Université Gustave Eiffel sur la logistique urbaine qui s'appelle Logistics City. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la chaire est fondée en 2019, dirigée par Laetitia Lablanc et nous sommes financés par Sogaris Postimo et la région Île-de-France. Nous diffusons les résultats de nos recherches par différents moyens, dont un livret que nous publions chaque année. Le premier que vous voyez ici sur le nouvel immobilier de la logistique urbaine est disponible sur notre site et le deuxième sur le même thème que cette présentation sera partagé bientôt. Nous avons également lancé un site web sur la diapo suivante que nous avons appelé E-Commerce Mobilities Observatory. Oui. Merci. Et là, en recueillant des informations et des données sur le e-commerce. Sur la diapo suivante, le plan de la présentation présente d'abord quelques tendances du e-commerce, puis les implications environnementales et enfin quelques stratégies pour réduire l'impact. Donc, premièrement, les tendances du e-commerce. Donc, comme nous savons tous maintenant, la crise sanitaire a eu un impact majeur sur les achats en ligne. L'importance croissante du e-commerce n'est cependant pas nouvelle. Donc, depuis 2010, le taux de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires était de 14%. De 2019 à 2020, ce chiffre aurait augmenté d'un peu moins. Montre les chiffres pour tous les biens et les services achetés en ligne. On estime que, diapo suivante, on estime qu'en 3 ans, le volume quotidien des colis B2C ou business to consumer en France aura doublé pour atteindre 4 millions de colis par jour. Si on regarde le secteur du commerce en général, on voit une image contrastée. Alors que le commerce en ligne augmente, le commerce au magasin reste assez stable. Donc, sur la diapo, il y a quelques chiffres pour la France. Oui, diapo suivante. Le secteur est toujours en pleine évolution, tant du côté de la demande que de l'offre. Lorsqu'on examine le comportement des consommateurs, on constate que la fréquence d'achat augmente, mais que le panier moyen diminue. Donc, cela signifie qu'il faut effectuer davantage de livraisons pour le même nombre d'achats. Diapo suivante. Une proportion de plus en plus faible de colis est livrée dans les points relais, bien que les Français soient pionniers dans ce domaine. Lorsqu'on examine les modèles de commerçants, on identifie deux tendances. D'abord, une omnicanalisation pour les détaillants omnicanaux, c'est-à-dire principalement des acteurs traditionnels qui ont intégré un webshop dans leurs activités. Les ventes en ligne ont augmenté de 50% en 2020 par rapport à 2019. Puis une concentration sur 1% des sites en 2019, c'est-à-dire environ 2000 sites, réalise 75% du chiffre d'affaires. Deuxième partie de cette présentation, les implications en l'impact carbone du e-commerce. Donc, depuis 20 ans, on réalise des études sur ce sujet, indiquant souvent que le e-commerce est le moyen le plus durable de faire des achats, bien que l'utilisation des emballages, d'Internet et des bâtiments, à la fois des magasins et des entrepôts, ne soit pas insignifiante. Elle est moins déterminante en termes d'impact environnemental. La mobilité de marchandises et de personnes, en revanche, c'est le facteur le plus important qui détermine si les achats en ligne ou les achats virtuels sont meilleurs pour l'environnement. Et parce que le e-commerce implique un transport plus professionnel dans lequel un véhicule de livraison livre plusieurs ménages sur un trajet le plus efficace possible, contrairement aux ménages qui se déplacent tous individuellement en voiture jusqu'au magasin, les kilomètres de transport par achat sont beaucoup plus faibles pour le e-commerce. Diapo suivant. Donc, sur cette base et dans un scénario dans lequel un achat en ligne remplace un achat en magasin par voiture, la recherche converge vers le e-commerce comme l'option d'achat la plus durable. Les graphiques présentés ici résume des calculs tirés de plusieurs études avec le commerce électronique d'un côté et le commerce en magasin d'autre côté. Donc, le box diagramme du e-commerce est plus bas et plus petit, ce qui signifie que les émissions de CO2 par achat sont plus faibles dans la plupart d'études et qu'il y a également moins de variations par rapport aux achats traditionnels. Pour les achats physiques, les variations entre les différentes études sont beaucoup plus importantes et dans la majorité d'études, les émissions de CO2 par achat sont également plus élevées. Pourtant, diapositive, dans un contexte urbain, comme celui de Paris par exemple, la voiture est un moyen de transport beaucoup moins courant pour faire des achats, mais la plupart des études n'utilisent pas ce schéma. Si on compare les deux modèles, pour les achats physiques, la localisation du magasin est importante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui. Donc, la localisation du magasin est importante, proche ou local et loin ou distant, ce qui détermine le mode de transport et le type de véhicule. Dans cet aperçu, plusieurs modes de transport sont pris en compte, la marche, le vélo, le transport public et la voiture personnelle. En termes de type de véhicule, la différence entre, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique est importante. Et dans le cas d'une voiture personnelle, l'impact par achat devient plus faible si le consommateur combine plusieurs activités lors d'un voyage ou se déplace dédié au achat. Ce que nous appelons ici un enchaînement, mais ce qu'on appelle aussi trip chaining dans la littérature. La fois suivante. Pour le e-commerce également, la localisation de l'entrepôt détermine le mode de transport et le type de véhicule. Ici, on prend en compte les véhicules utilitaires classiques, mais aussi les vélos cargo. On fait également une distinction entre les véhicules thermiques et électriques. Et pour la mobilité de marchandises, le taux de charge est important, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la capacité du véhicule est utilisée. Donc, dans ce scénario, un certain nombre d'autres facteurs sont importants, comme le type et la quantité d'emballage, la réussite ou l'échec de la livraison et le retour ou non de l'achat. Ces facteurs ne sont pas importants dans un scénario de commerce traditionnel, mais très importants dans un scénario de commerce électronique. Diapositive suivante. Une partie non négligeable des livraisons est toujours destinée au point relais, ce qui donne une combinaison de transport de personnes et de marchandises. Donc, par conséquent, il faut tenir compte à la fois des mouvements de marchandises et des mouvements de personnes. Suivante, s'il vous plaît. Un facteur jusqu'ici peu exploré dans la discussion sur l'impact du e-commerce est le comportement d'achat et de déplacement des consommateurs. On considère souvent qu'un achat en ligne remplace un achat en magasin, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on étudie le comportement omnicanal des consommateurs, on constate qu'avant et après un achat en ligne, ils peuvent encore rendre dans un magasin en rapport avec cet achat. Pour essayer des articles en magasin avant, comme le montre ici le profil du show. Oui. Ou pour récupérer en magasin après, comme le souligne ici le profil de Click and Collect. En fonction des déplacements supplémentaires, qui ne sont souvent pas pris en compte, l'impact en CO2 par achat peut devenir considérable. Diapositive suivante. Et qu'il existe aussi d'autres comportements possibles qui compliquent l'évaluation de l'impact du e-commerce. La fragmentation qui consiste à diviser un même achat en plusieurs petits achats. Le fait que grâce à des offres bon marché en ligne ou des fêtes commerciales comme le Black Friday par exemple, on peut faire plus avec le même budget, et le fait que grâce au temps que l'e-commerce nous fait gagner, nous faisons d'autres déplacements à la place. Donc, ces considérations sont importantes à prendre en compte lorsque du bilan carbone du e-commerce, mais il existe plusieurs stratégies pour réduire cet impact. Diapositive suivante. Et encore. Oui. Ce sont les consommateurs qui sont le moteur du e-commerce et sont de plus en plus chargés de définir le service logistique qui leur convient. Par contraction avec producteurs et logistique, ils sont également appelés le prosommateur et l'oxomateur, Et pour un e-commerce plus durable, les consommateurs sont aussi des acteurs clés. Diapo suivante. Mais il n'est pas facile aujourd'hui de faire des choix raisonnés et durables avec l'offre en ligne actuelle de livraison et de retour toujours plus rapide, plus facile et gratuit. Dans la diapo suivante, on voit des recherches menées aux États-Unis qui montrent que les émissions sont réduites lorsque la livraison dure plus longtemps, que les entreprises de transport disent depuis longtemps, mais qui interfèrent avec le service que les détaillants veulent offrir. Diapo suivant. Un e-commerce durable implique donc un effort commun de la part des détaillants, des entreprises de transport et les consommateurs pour offrir des options de livraison durable et faire des choix durables. Je fais quelques suggestions dans la diapo suivante. Souvent, les consommateurs choisissent une option de livraison parce qu'ils ne savent pas que certaines options sont plus durables que d'autres. Une expérimentation montre que des petits ajustements dans la fenêtre de commande peuvent être très efficaces pour les encourager à faire un choix plus durable. Et ce que montre la diapo suivante, même si cela ne fonctionne que pour une petite partie des consommateurs, il est possible de réduire la distance parcourue pour des livraisons. Ce graphique montre que les véhicules kilomètres peuvent être économisés si 40% des consommateurs sont sensibilisés. La diapo suivante montre un exemple dans la manière dont le supermarché en ligne Ocado au Royaume-Uni encourage les consommateurs à choisir une heure de livraison quand un trajet près de chez eux est déjà programmé, donc avec des camionnettes vertes. Puis, dans la diapo suivante, on observe une tendance vers des entrepôts plus proches des consommateurs. Nous avons des exemples à Paris, mais aussi à Barcelone où Amazon a repris une ancienne maison d'édition, à Hong Kong où les camions ont accès à 15 étages par une rampe et plusieurs projets à New York. Avec un hub urbain à Beaugrenelle, Chronopost peut réduire de plus de 50% des émissions de CO2 selon un rapport reprenant des chiffres de 2016. En accord avec ça, dans la diapo suivante, selon des recherches menées par le MIT, pour le e-commerce, cela pourra signifier une réduction de 50% des émissions liées au transport et une réduction de 10% par colis. Les entrepôts plus proches facilitent également l'utilisation des véhicules à zéro émission, tels que les camionnettes et les bicyclettes. Finalement, les points relais, en particulier dans des zones urbaines, peuvent réduire l'impact environnemental du e-commerce. Donc, voici une photo d'un point relais qui est dans ma rue et d'un drive piéton pour récupérer les courses. Les consignes automatiques, dans la diapo suivante, dans les bureaux, les gares ou des lieux publics sont également une alternative qui gagne en importance. Les avantages sont nombreux pour les livreurs de colis eux-mêmes, comme montre la diapo suivante. Les consommateurs, les propriétaires des points relais et la société en général. Voilà, je termine ici ma présentation. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez... Merci beaucoup, Heleen, pour cette présentation. Donc, merci à tous les trois, à tous les quatre, même avec Aurélien, pour vos interventions. Je vous propose qu'on prenne à présent quelques questions du chat pour compléter notre discussion, mais avant ça, on va peut-être revenir très rapidement sur le sondage qui avait été proposé sur Bicast et les résultats en fait de ce sondage. Je vais vous les afficher. Hop, voici. Voilà. Donc, à la question « Privilégiez-vous la livraison en point relais ?», on voit que la plupart des répondants ont répondu oui. Donc ça, c'est dans les pratiques dont vient de parler Heleen. Ensuite, globalement, avez-vous la sensation d'utiliser moins la voiture? Alors, on a une réponse qui est oui, sachant qu'on est sur les pratiques de mobilité depuis un an, donc avec la crise Covid. Il y a bien sûr des nuances à apporter à tout ça qui sont un peu plus loin, qui sont sur justement… pourquoi moins la voiture? Ça, on voit qu'il y a beaucoup de cas individuels dans les commentaires qui ont été apportés. Avez-vous le sentiment d'avoir augmenté vos déplacements à pied, notamment pour vos achats? Là, la réponse, c'est plus nuancé. C'est plus ou moins. C'est plutôt oui, mais voilà, on est quand même sur des chiffres qui sont beaucoup plus proches. Et enfin, sur la question du est-ce que le télétravail vous a amené finalement, prenez-vous davantage la voiture depuis que vous êtes en télétravail? La réponse est globalement non. Et comme je le disais, on a des retours relativement variés sur quelles sont les raisons finalement qui incitent à tel ou tel choix. On voit que la pratique du vélo est extrêmement partagée. Une baisse des transports en commun, certes, mais plutôt en faveur de vélo, davantage que de la voiture, globalement, sur les propositions des différents participants. Alors, je vous propose à présent qu'on prenne quelques questions. Alors, je vais inviter nos intervenants, donc Aurélien Bigot, Catherine Pilon, Julien de Labaca et Heleen Buldeo Rai à se reconnecter. On a eu un certain nombre de questions dans le chat, comme vous avez pu le constater. Je vous invite d'ailleurs à y répondre directement au fur et à mesure, si c'est possible pour vous. Je vais vous en poser quelques-unes qu'on a sélectionnées. Donc peut-être ma première question pour Aurélien Bigot sur le levier comportement qui est pour le coup aidé par les politiques d'aménagement transport semble être le plus capable de faire baisser les émissions et pourtant les projections semblent se focaliser moins sur cet aspect-là. Comment est-ce qu'on peut mesurer ou apprécier l'impact de la demande, comportement, risque d'effet rebond, dans les projections de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports? Sur quel point d'appui est-ce qu'on pourrait éventuellement justement s'appuyer? Alors là, c'est une très vaste question, en effet. Après, sur est-ce que c'est le principal levier, c'est un des leviers, en tout cas, si on agit que sur la sobriété, c'est pas non plus suffisant pour atteindre les objectifs qu'on a, même dans les scénarios les plus volontaristes là-dessus. Si on agit que la technologie, et malheureusement, il y a des scénarios qui prévoient ça, on est obligé de faire des hypothèses extrêmement ambitieuses qui peuvent passer sur le papier, mais pas forcément dans la réalité. Donc après, sur les leviers qui peuvent exister, ils sont extrêmement nombreux. Il y en a énormément qui ont été déjà cités là dans la suite de la session. Donc que ce soit sur l'aménagement du territoire, que ce soit sur la fiscalité, les incitations financières, que ce soit sur le fait de proposer tout un tas de nouveaux services, comme par exemple sur le vélo, des systèmes de location longue durée qui montrent vraiment un vrai intérêt pour faire changer les comportements. Du coup, oui, c'est compliqué de répondre précisément, en tout cas, une question si vaste, mais il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas sur les leviers comportementaux, à la fois sur la demande, en tout cas sur les déplacements du quotidien, ça dépend quand même beaucoup de l'aménagement du territoire aussi et des distances qu'on a à faire au quotidien, donc de la localisation de son logement par rapport aux services, au travail, au commerce qu'il peut y avoir autour de chez soi. Et après, sur le report modal, c'est quelque chose qui est un comportement individuel, mais extrêmement influencé, encore une fois, par l'aménagement qui est fait autour de chez soi, aux services de transport en commun qui peuvent être proposés également. Pour le covoiturage au quotidien, pour l'instant, il y a encore, c'est un développement qui est encore très faible, vraiment. Pour l'instant, c'est surtout sur la longue distance que ça s'est beaucoup développé, mais il n'y a pas encore de modèle qui s'est très fortement développé. Après, sur un autre levier de sobriété qu'on évoquera un peu plus tard, sur la question du type de véhicule qu'on peut choisir. Là aussi, il y a des leviers de sobriété assez importants qui aujourd'hui sont encore peu pris en compte. Mais encore une fois, là, ça dépend de l'offre, notamment de véhicules qui est offerte. Donc, les citoyens en soi, les usagers peuvent avoir beaucoup de changements de comportement qui vont vraiment dans le bon sens avec des impacts assez majeurs. Il suffit de comparer l'empreinte carbone de différents usagers pour se rendre compte qu'on peut avoir selon nos comportements, des empreintes carbone très diversifiées, mais au-delà des comportements et des choix individuels, ça dépend aussi beaucoup de questions d'aménagement et de politique publique de manière plus large. Merci beaucoup. Effectivement, c'était une très très vaste question, donc merci d'avoir essayé d'y répondre effectivement assez brièvement. Ma question suivante serait pour Julien de Labaca ou Catherine Pilon, à voir qui de vous deux est le plus à l'aise avec cette question, ou peut-être des réponses complémentaires. Sur l'approche par les usagers permettant de combiner plusieurs facteurs, diversité de modes de transport, vélo, piéton, transport en commun, est-il pris en compte finalement dans les choix d'aménagement? Est-ce que cette approche, voilà, vraiment par cette porte d'entrée de l'usager est prise en compte aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut éviter les approches en silo, même si, comme vous disiez, ça semble s'estomper? Et voit-on aujourd'hui une concurrence en fait entre les différents modes actifs? Vaste question. Catherine, tu veux démarrer? Tu veux que je démarre? D'accord, oui, je veux bien démarrer. En fait, ce que j'ai essayé de dire, mais trop rapidement sans doute, il y a une sorte de… les cyclistes sont très organisés depuis longtemps. Il y a des associations qui défendent la place, etc. Et les piétons ne le sont pas du tout, en fait. Et donc, ce qu'on voit surgir aujourd'hui, ce sont des plans piétons, mais ce sont des associations cyclistes qui s'ouvrent aussi aux piétons. Hein, 2 pieds 2 roues, etc. Il y a plein d'associations qui essayent de mettre en place une approche commune pour voir, parce que globalement, les deux, ils ont intérêt à la réduction de la vitesse. Les deux, ils ont intérêt à éloigner les voitures des trottoirs et des pistes cyclables. Les deux, ils ont intérêt à avoir un air plus respirable, etc. Donc, il n'y a aucune raison finalement que ce soit en opposition. Et donc, là, on voit quand même la plupart des élus en charge des déplacements ont ajouté à leurs objectifs de la mandature des plans piétons et des plans mobilité active, qui justement articule les deux pour pas donner l'impression qu'on fait plus pour l'un que pour l'autre. N'oublions pas que le piéton, on est tous piétons. C'est vraiment le mode de déplacement le plus partagé. Tout le monde est piéton à un moment de son trajet. Donc voilà, le piéton, il se projette aussi sur tous les autres modes de déplacement. Et le vélo, il n'y a pas de raison que ce soit son ennemi. Pour compléter ce que dit Catherine, je pense qu'il y a un gros sujet dont on parle depuis beaucoup d'années qui est l'intermodalité. On en a beaucoup parlé. C'est quelque chose qu'il faut arriver à mieux mettre en avant parce que c'est une pratique de plus en plus récurrente. Je parlais tout à l'heure du vélo plus train, je pourrais parler de la trottinette plus bus, je pourrais parler du parking relais voiture vers un autre mode. Le problème qu'il y a, je vais prendre 2 exemples très concrets, c'est que on en parle beaucoup de l'intermodalité, mais pour l'instant, ça reste quand même très conceptuel. Premier exemple, vous prenez les applications de mobilité. L'application de mobilité, elle va vous dire prenez votre vélo pour aller jusqu'à la gare. Une fois que vous êtes à la gare, c'est un peu débrouillez-vous. C'est-à-dire est-ce que je peux prendre mon vélo dans le train? Si oui, à quelle voiture? Si oui, est-ce qu'il y a une affluence dans une des rames? Est-ce que entre le haut de la gare et le quai, j'ai un escalator ou un escalier ou quelque chose qui me permet de descendre un vélo qui potentiellement est électrique et fait 25 kilos? Tout ça, je ne le sais pas. Ce qui veut dire qu'on a quand même encore, pour l'instant, une logique de superposition de modes plutôt que de vraiment de chaîne complète ou de porte-à-porte comme certains opérateurs le disent. On est en train d'aller vers quelque chose de mieux. Moi, je crois que le rôle des gares, par exemple, quelque chose d'extraordinaire. La gare, c'est un repère, c'est une interface. Un repère pour les gens qui ne connaissent pas la ville, c'est une interface pour l'intermodalité et c'est aussi un lieu de vie. Donc, je pense que là-dessus, il y a vraiment un gros travail à faire et c'est assez intéressant parce que là, on est en train de travailler, moi je bosse beaucoup sur ces sujets, sur la donnée d'accessibilité. En fait, la donnée d'accessibilité, c'est juste la donnée piétonne en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à standardiser et à digitaliser la marche, en fait, tout simplement. Et la marche, comme mode, mais aussi pour lier les différents modes. Ça, c'est une première chose. Deuxième exemple très concret où je pense qu'on a encore des efforts à faire. Catherine a parlé de la généralisation du 30 en Espagne. Alors moi, je bosse beaucoup en Espagne, j'habite à côté de la frontière, j'en ai beaucoup discuté avec eux, c'est quelque chose de très bien, mais c'est assez rigolo parce que j'ai eu une discussion la semaine dernière avec un opérateur de bus qui me disait « c'est super le 30, mais nous, en fait, on a dû revoir tout notre système de bus parce qu'on s'est retrouvé impacté de manière extrêmement négative et on n'avait pas été concerté. » Et en fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. Catherine a tout à fait raison. On est en train de trouver des vraies perméabilités entre les différents modes, entre les différents mondes qui se parlaient peu. Mais on est quand même encore dans une logique un peu de superposition et il va falloir créer du lien. Et le lien, il va se faire via l'usage. Donc, on est en train de rentrer là-dedans. Moi, je crois encore qu'on est un peu aux prémices. Et après, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, et Catherine a dit à juste titre, entre le rural et l'urbain, il y a quand même des grosses différences. Et ça va être un vrai enjeu, je pense, dans les années à venir, surtout si on a un retour d'urbains qui veulent, avec la crise sanitaire, repartir vers des espaces moins denses. Donc là, il y a un vrai gros travail à faire. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, j'ai toujours été, mais on est encore peut-être sur une charnière et il va falloir avancer encore beaucoup sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard. Alors, comme il est 11h13, je vous propose qu'on prenne une dernière question pour Heleen Buldeo Rai, cette fois-ci. Voilà, la question qui était posée, en fait, alors un participant souhaiterait que vous reveniez, si possible, sur les modalités d'analyse de l'impact du e-commerce que vous avez présenté tout à l'heure. Et la question était notamment de savoir si vous intégrez les transports verts et depuis les entrepôts, qui sont souvent situés, du coup, en dehors de la périphérie des villes, si vous intégriez l'énergie consommée par les data centers, enfin, un petit peu d'avoir ces paramètres, finalement, d'évaluation dans l'analyse de l'impact. Oui, donc ce que je voulais montrer aussi dans les petits tâches, c'est de montrer tous les éléments qu'on prend en compte et dans des études comme ça. Donc, moi, dans les études que j'ai faites, certainement, on prend en compte ces déplacements ou les transports de marchandises entre des différents entrepôts jusqu'au domicile des consommateurs. Le type de véhicule qui est utilisé, ça dépend du cas. Et comme j'ai montré dans ces box plots, ce qui est un sommaire de plus de 20 études, ça dépend un peu des paramètres qu'ils ont pris en compte. Donc, ça dépend fortement du cas, du commerçant, etc. Mais effectivement, on prend en compte si un transport vert est utilisé, on peut bien prendre en compte, mais ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt pour le dernier kilomètre qu'on voit l'utilisation des véhicules électriques, des cargo-vélos. Entre les entrepôts, là, on n'est pas encore là, j'ai l'impression. Bien, merci beaucoup Heleen pour cette réponse. Alors comme il est 11h15, je vous propose qu'on en reste là pour laisser la place aux intervenants de la seconde table ronde. Je vous remercie tous les quatre pour votre participation ce matin. Alors Aurélien, vous restez avec nous puisque vous êtes aussi sur la seconde table ronde. Justement, avant de passer à cette seconde séquence qui va être consacrée plutôt aux questions de motorisation et de véhicules, je voudrais vous présenter une nouvelle séquence qui vient d'être lancée sur Bicast et qui prend la forme d'un exercice de post-it virtuel avec une question: qu'est-ce qui vous amènerait à changer de véhicule pour un véhicule à faible émission? Donc vous pourrez classer vos différentes idées selon qu'elles relèvent de facteurs économiques, sociaux, de politique publique ou autres. On a fait différentes propositions, mais vraiment c'est libre, donc n'hésitez pas à mettre dans une autre catégorie si besoin. Pour participer, je vous rappelle qu'il vous suffit de vous connecter au site bicast.live avec un nouvel onglet de votre navigateur ou via votre smartphone et d'entrer le code session cyclozen 6. Mais on va vous remettre de toute façon tout ça dans le chat. Donc n'hésitez pas à poster dès à présent vos idées, on en reparlera justement à la fin de notre nouvelle table ronde qui va démarrer tout de suite et qui va être consacrée à la transition du parc de véhicules et visera à échanger sur les facteurs de réussite, les difficultés rencontrées et les dispositifs mis en place pour accompagner cette transition. Donc ça va être composé des interventions d'Aurélien Bigot qui va revenir du coup nous introduire cette fois-ci la question des technologies, des usages et des différents types de véhicules. Pour HEPPNER est président de la commission logistique urbaine de l'Union TLF, donc l'Union des entreprises transport et logistique de France, viendra nous présenter son point de vue de transporteur sur la transition bas carbone. Et enfin, Cécile Lanza, chef de projet zone à faible émission de la ville et Eurométropole de Strasbourg, qui viendra nous présenter du coup ce dispositif. Et pour commencer, je vais donc inviter Aurélien Bigot à se reconnecter. Donc Aurélien Bigot, vous êtes chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Louis Bachelier. Je le rappelle pour les personnes qui sont peut-être arrivées entre-temps. Donc, merci d'être encore avec nous et je vous propose du coup de nous présenter brièvement les technologies, véhicules et usages et leur impact sur la transition vers le zéro émission. Aurélien, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, en effet, je vais présenter quelques éléments introductifs sur cette partie des motorisations sans être bien évidemment exhaustif sur tous les enjeux qui se posent. Tout d'abord, en introduction, rappeler où en est aujourd'hui le secteur des transports en termes de motorisation et d'énergie consommée, de proposer un peu la perspective historique. Donc, on a ici les consommations d'énergie des transports entre 1960 et 2017. On peut retrouver la tendance qu'on voyait tout à l'heure sur les émissions à une très forte hausse des consommations d'énergie, en particulier de pétrole, donc jusqu'au début des années 2000. Avec seulement un petit développement des biocarburants sur les dernières années. Et aujourd'hui, donc, le pétrole représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur des transports. L'électricité, 2%, c'est essentiellement dans le transport ferroviaire aujourd'hui. Et puis, une incorporation de biocarburants dans beaucoup de carburants liquides, actuellement, par exemple, le gasoil ou l'essence, des carburants routiers. Donc, aujourd'hui, une très forte dépendance au pétrole et la décarbonation de l'énergie. Et j'ai repris des facteurs d'intensité carbone de l'énergie dans différents scénarios. Cette décarbonation va être assez progressive. Il y a un temps de mise en place des nouvelles motorisations de décarbonation de l'énergie qui va être assez lent. Donc ça, c'est 3 scénarios tendanciels, ou pas tout à fait avec les mêmes valeurs d'intensité carbone de départ. Mais après, on avait vu donc, que pour l'intensité carbone de l'énergie, de la stratégie nationale bas carbone, on avait quelque chose d'assez progressif et on retrouve ce type de courbe-là, pas avec les mêmes, voilà, pas forcément avec les mêmes points de départ ou d'arrivée selon les différents scénarios. Mais en tout cas, des progrès en termes de baisse d'émissions de CO2 liées à cette décarbonation arrivent plus tôt, après 2030. Donc, il y a un effet déjà à court terme, mais qui est encore assez faible, le temps de diffuser toutes ces nouvelles motorisations. Alors, en 2050, quelles options de mix énergétique on peut voir dans les scénarios de prospective? Donc ça, j'ai remis ici pour différents scénarios de prospective, donc la base en 2015, celle que je montrais tout à l'heure, et puis pour différents scénarios. Donc pour la stratégie nationale bas carbone, on voit tout d'abord une forte baisse des consommations d'énergie, une énergie qui s'électrifie beaucoup, c'est le premier vecteur à ce moment-là, et en plus, comme les moteurs ont une efficacité énergétique plus importante, ça a tendance à montrer plutôt une faible, quoi. Les kilomètres parcourus en électrique sont encore plus élevés que la proportion qu'on voit ici. Le biogaz aussi et les agrocarburants ont une part assez importante dans cette stratégie nationale bas carbone. Et quand on regarde d'autres scénarios, on peut avoir des choses plus diversifiées. On avait notamment dans des scénarios Négawatt et ADEME en 2017 une part du gaz qui était plus importante, a priori qui va être réduite dans les scénarios en cours de révision en ce moment par ces instituts-là. Et puis voilà, dans d'autres scénarios, des approches un peu plus contrastées, mais qui se précisent progressivement au fur et à mesure qu'on avance vers cette décarbonation et qu'on voit quelles technologies clés sont en train de remporter la mise sur certains modes de transport ou certains véhicules. Justement, quel mix énergétique est prévu selon les véhicules ou les modes de transport considérés, par exemple, pour la stratégie nationale bas carbone? Donc ici, on a le mix énergétique pour les modes de transport routier. Ce qu'on voit, c'est que l'électricité domine largement pour les véhicules routiers légers, donc pour les voitures, pour les deux roues motorisées. Et puis, les mix sont plus contrastés parce que, notamment quoi, sur les véhicules plus lourds ou plus longues distances, comme par exemple les poids lourds, étant donné que les batteries voilà, sont moins... pour un poids lourd, il faudrait des quantités de batteries énormes pour réussir à faire du transport de marchandises sur longue distance. Donc, c'est là que le biogaz, les agrocarburants ou aussi l'hydrogène, mais qui n'est pas sur ce graphique-là, qui n'est pas dans les données auxquelles j'ai accès, peuvent être intéressants. Plutôt que l'électrique qui semble s'imposer en tout cas sur les véhicules légers mais qui sera potentiellement plus difficile à mettre en place sur les véhicules plus lourds. Ensuite, si on regarde les autres modes de transport, le ferroviaire est déjà largement électrifié aujourd'hui mais continuerait encore à l'avenir dans la stratégie nationale bas carbone. Donc dans l'électricité, il y a aussi une part d'hydrogène éventuellement mais qui n'est pas détaillée ici. Pour le fluvial et le maritime, on aurait voilà, du biogaz, des agrocarburants et une partie de pétrole aussi qui resterait dans le transport maritime. Et puis enfin dans le transport aérien, dont on a assuré le transport aérien international, qui en général n'est pas compté dans les objectifs français et qui sont plutôt sur le territoire, on aurait pour moitié des biocarburants et pour autre moitié du pétrole qui resterait du coup encore assez... qui aura encore une place assez importante sur ce mode de transport-là en 2050. Ensuite, quelques éléments sur les questions à se poser. Je vais essayer de faire un focus un petit peu plus sur les poids lourds plutôt que sur la voiture où a priori l'horizon est un peu plus tracé. Dans les premières questions à se poser, c'est bien évidemment en termes d'impact climatique, quelles sont les baisses d'émissions en analyse de cycle de vie. Donc jusqu'à maintenant, sur les analyses que j'avais pu présenter tout à l'heure, c'était beaucoup en émissions directes. Donc, par exemple, un véhicule électrique est zéro émission en émissions directes. Bien sûr, il faut prendre en compte aussi un autre périmètre qui est celui de la production de l'énergie, donc de la production de l'électricité, par exemple. Ensuite, de la production et de la fin de vie du véhicule. C'est encore un autre périmètre un petit peu plus large. C'est le périmètre de cette analyse ici. Je change un petit peu la légende ici pour que ce soit un petit peu plus clair. Et puis enfin, le dernier périmètre, c'est éventuellement aussi de prendre en compte les infrastructures, leur construction, leur entretien, ce qui n'est pas pris sur cette figure-là et qui peut correspondre pour beaucoup à des émissions plutôt du passé. Donc pas forcément toujours pertinent à prendre en compte, ça dépend des questions qu'on se pose. Et quand on regarde ici sur les poids lourds, en tout cas, on voit bien les options qui peuvent paraître intéressantes par rapport au diesel qui est aujourd'hui largement dominant. Pour le biogaz, il y a des émissions en analyse de cycle de vie qui sont bien plus basses. Pour l'électrique aussi, on voit qu'il y a une part de la fabrication de la batterie qui est vraiment non négligeable sur l'électrique. mais un gain au total qui est assez significatif. Sur la voiture individuelle, aujourd'hui, on est plutôt à une division par 3 des émissions par rapport aux véhicules thermiques. Et puis l'hydrogène aussi, qui a quand même un gain assez significatif. Mais encore une fois, pour toutes ces énergies, ça va dépendre du type d'énergie utilisée. Par exemple, sur l'hydrogène, ici, c'est le mix électrique français pour produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau. Et quand on prend à partir d'hydrogène 100% à partir de NR, on a un résultat encore un peu meilleur. Mais en tout cas, voilà 3 technologies ici qui peuvent être intéressantes sur ce mix, sur l'évolution pour les poids lourds. Ensuite, d'autres éléments qu'on peut regarder, c'est quels sont les coûts des technologies bas carbone, est-ce qu'ils sont plus élevés? Encore une fois, je change un petit peu la légende pour faciliter la lecture. Ici, c'est toujours pour les poids lourds, une analyse entre le diesel, donc les coûts annuels pour faire rouler un poids lourd, entre le diesel, le gaz fossile qui est à peu près au même niveau de coût, le biogaz cette fois-ci qui revient bien plus cher, surtout en raison de des coûts de production du biogaz. Donc, selon les analyses, on peut voir des coûts de production qui sont environ 3 à 4 fois plus élevés que le gaz fossile. Il pourra y avoir des effets d'échelle à l'avenir avec une production plus importante, mais c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et on retrouve la même chose pour l'hydrogène, où le coût du véhicule aujourd'hui est encore plus élevé aussi, mais aussi le coût de production d'un hydrogène qui serait vert à partir d'énergies renouvelables est aussi bien plus élevé. Donc ça, c'est des défis en termes de conversion des flottes, aussi d'avoir des incitations économiques qui sont suffisantes pour les opérateurs pour qu'ils puissent avoir un intérêt qui soit suffisamment incité à changer de motorisation. Ensuite, un autre élément très important, c'est quelles sont les ressources disponibles. Juste un exemple avec le biogaz pour montrer ici les consommations d'énergie des transports à la fois des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, donc plutôt les véhicules utilisés pour du transport de marchandises. En 2015, ici j'ai mis la comparaison des consommations de gaz en 2015, donc c'est principalement hors secteur des transports, et puis les évolutions dans la stratégie nationale bas carbone, c'est de baisser assez fortement les consommations de gaz et de les remplacer par du biogaz. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les potentiels de production de gaz à l'avenir, il y avait une étude de l'ADEME assez rassurante en sollicitant plusieurs types de ressources, méthanisation, pyrogazéification et power to gas. Donc ça, c'est à partir d'hydrogène, ça c'est pyrogazéification, c'est plus à partir de bois pour simplifier un peu les choses. Mais le potentiel aujourd'hui le plus assuré, c'est celui de la méthanisation. Et pour d'autres études, ce potentiel paraît même bien plus faible que celui qui avait été identifié par l'ADEME. Et donc bien plus faible même que ce qui est prévu par la stratégie nationale bas carbone. Donc ça, c'est un des risques aussi d'avoir des ressources qui soient trop limitantes par rapport au développement de certaines technologies. Donc pour diapositive un peu de conclusion ou de principaux enseignements ou de pistes sur la suite, on voit en tout cas que le choix des motorisations, il va différencier selon les modes de transport et les véhicules. Donc j'ai mis en vert foncé quand il y a une technologie a priori qui s'est déjà imposée ou devrait s'imposer. Et puis, en général, les autres technologies qui pourraient aussi être développées, qui sont en tout cas beaucoup évoquées dans les débats publics comme des technologies possibles sur les autres modes de transport. Sur les critères à prendre en compte, il y a notamment les contraintes techniques des différentes technologies, quel est leur impact climatique et plus largement environnemental. Il n'y a pas que l'impact CO2, même si je n'ai pas détaillé toutes les autres analyses de cycle de vie possibles. Quelle est la disponibilité des ressources, que ce soit en termes de biomasse pour les agrocarburants ou le biogaz, en termes de métaux, en termes d'électricité nécessaire pour faire avancer les véhicules électriques ou hydrogène produits à partir d'électricité. Quel est aussi le coût du système. Et puis en termes de freins à lever, de progrès à réaliser à l'avenir, il y a notamment des questions bien sûr sur le coût, les caractéristiques techniques de certaines technologies sur lesquelles il peut encore y avoir des progrès, de développement des infrastructures de recharge, la question de l'autonomie pour les voitures, par exemple, j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est évidemment une des questions importantes qu'il peut y avoir sur son développement. Et puis, sur la décarbonation de l'énergie utilisée, sur les 4 premiers que j'ai pu évoquer, l'hydrogène, le gaz et les carburants liquides, aujourd'hui, ces 3 vecteurs-là sont produits majoritairement de façon carbonée. Donc, si on passe trop vite à ces technologies-là sans décarboner l'énergie, il y a des risques aussi qu'on s'engage dans sur des vecteurs, des usages qui resteront carbonés pendant longtemps. Et puis bien sûr un rappel par rapport aussi aux éléments de la première partie tout à l'heure, c'est que bien sûr les technologies sont des évolutions indispensables si on veut s'approcher de la neutralité carbone, de la décarbonation du secteur des transports, mais elles sont insuffisantes et surtout elles sont vraiment à combiner avec les usages, avec la sobriété Je pourrais encore dire pas mal de choses là-dessus parce que ça me paraît indispensable, mais comme j'ai déjà un petit peu dépassé mon temps, je m'arrête ici. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation. Je vais à présent inviter Christophe Schmitt à me rejoindre. Donc, Monsieur Schmitt, vous êtes directeur des relations institutionnelles pour HEPPNER et président de la commission logistique urbaine de l'Union des entreprises transport et logistique de France. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous ce matin. Ma question pour vous, bonjour. Ma question pour vous est la suivante. En tant qu'acteur de la logistique, pourquoi adopter un parc zéro émission? Quel impact pour les entreprises? Alors, effectivement, adopter un parc zéro émission pour une entreprise de transport comme la nôtre, c'est très important. Et de toute façon, l'engagement dans la transition énergétique, dans le monde du transport et de la logistique, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un engagement assez ancien. À titre d'exemple, HEPPNER s'est engagé dans la charte éco-CO2, qui est la première charte lancée par l'ADEME sur les réductions de CO2 en 2010, où on avait fait à ce moment-là des états des lieux, un plan d'action et pris différentes mesures pour réduire notre impact sur l'environnement. Mais c'était encore une époque où on était resté dans le diesel, il n'y avait pas d'autre solution. Mais cet engagement-là, il nous avait permis à l'époque de passer la totalité de notre parc en véhicules Euro 6. Alors c'est en fait les moins polluants des diesels. Aujourd'hui, chez HEPPNER, on a 100% du parc. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a différents niveaux de maturité dans le monde du transport, et que en grosso modo les grandes entreprises ont eu plus de facilité à aller à la transition énergétique parce qu'elles ont les moyens financiers de le faire, alors que les plus petites mettent plus longtemps, et on revient à la question de la progressivité dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que grosso modo les parcs des sous-traitants, des petites entreprises, est plus polluant globalement que celui des grandes entreprises en général, pas pour tout le monde. Et chez nous, dans le mix énergétique de nos sous-traitants, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peine à moitié de nos sous-traitants qui sont en Euro 6, la moitié des camions de nos sous-traitants, et l'autre moitié, c'est à 5, 4, 3, il reste même encore des Euro 2 ou des Euro 1 dans certains parcs de sous-traitants. Alors, il y a deux manières de s'engager dans la transition énergétique quand on est dans le monde de transport, c'est... Et soit de choisir une énergie, foncer dessus et puis modifier son parc. Mais il y a aussi la nécessité absolument impérieuse d'embarquer l'ensemble de son écosystème, et notamment sa sous-traitance. Chez HEPPNER, à peu près 60% de ce que nous ne le transportons pas nous-mêmes, nous le transportons via des réseaux de sous-traitance. C'est extrêmement généralisé dans le monde du transport et de la logistique, et c'est un vrai sujet d'arriver à travailler sur les transitions énergétiques. Alors pour HEPPNER, en 2019, on a été primo-accédant au nouveau programme de l'ADEME qui s'appelle EVE, Engagement volontaire pour l'environnement. Et là, l'objectif, c'était d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avions fait dans la première phase avec EcoCE2. Donc, on a choisi, en fait, de nous orienter vers une transition énergétique et du zéro carbone pour atteindre un objectif de 100% de décarboné en 2050. Avec une progressivité d'ici là au fil des années. Aujourd'hui, on a investi dans l'achat de 75 véhicules poids lourds, donc ce qui va représenter environ 25% de notre parc sur l'année 2020. C'est directement 15 millions d'euros d'engagés dans la transition sur des véhicules au gaz. Parce que le gaz, pourquoi le gaz? Parce que le gaz, c'est la seule technologie aujourd'hui qui permet de pouvoir faire de la décarbonisation sans avoir des coûts excessifs. L'hydrogène, c'est juste inimaginable, c'est extrêmement cher encore, donc c'est pas du tout une technologie mature, on va dire. Et l'électricité, ça pose des problèmes d'usage, puisque globalement, on peut dire que l'électricité, ça permet de faire des tournées de l'ordre de 80, 100 km, peut-être 150 km en faisant très attention. En moyenne, une tournée de distribution locale chez un transporteur, c'est plutôt 250 km, donc on voit bien qu'il y a très peu de tournées de distribution qui vont être concernées par la problématique électrique. En général, ce sont des tournées de centre-ville avec assez peu de kilomètres. Et donc, on a quelques camions électriques aujourd'hui chez HEPPNER, mais c'est vraiment extrêmement limité. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver à passer notre parc à 25%, je l'ai dit, à fin 2021, 50% en 2025, 70% en 2030, pour atteindre 85% en 2040. Puis je ne vais pas aller plus loin parce que après, on ne sait pas comment vont évoluer les infrastructures et les dispositifs qui nous permettront de faire cette transition. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les principaux problèmes rencontrés, ce sont ceux-là. C'est-à-dire que quand on sensibilise nos sous-traitants, parce que embarquer son écosystème, c'est embarquer ses sous-traitants, on leur dit bon, il faut passer, etc. Alors on a la sensibilisation un peu forcée, c'est-à-dire aujourd'hui, on a mis en place des objectifs avec nos sous-traitants qui disent, par exemple, cette année, en juin 2021, il n'y aura plus d'Euro 3, même chez nos sous-traitants, dans notre parc. On a dit à nos sous-traitants, les Euro 3, c'est terminé, il faut changer les véhicules, etc. En décembre 2021, on enlève déjà, on supprimera, vraisemblablement, on s'arrêtera à Euro 4, et en décembre 2025, Euro 5, pour leur permettre d'étaler leurs investissements, etc. etc. Mais ce n'est pas simple du tout, parce que c'est un changement de paradigme hein, pour le monde de la sous-traitance, qui avait plutôt l'habitude de rouler dans des camions anciens, de les user autant que possible, et ce qui est moins le cas dans les grandes entreprises qui ont plus recours à de la location de véhicules ou des choses comme ça. Donc c'est ces deux visions de l'organisation du travail qui sont différentes. Donc aujourd'hui, les principales problématiques qu'on rencontre dans ce domaine-là, elles sont surtout liées au coût des véhicules et à la disponibilité des véhicules. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur le marché des constructeurs, etc., il y a très peu de véhicules disponibles. Alors, on trouve, par exemple, un exemple très concret, au-delà de 12 tonnes, pour aller jusqu'à 26 tonnes, donc par tranche 12-26 tonnes, vous n'avez quasiment aucun véhicule décarboné qui existe sur le marché. Vous avez un ou deux constructeurs qui font des choses pas toujours très au point, pas toujours très adaptées, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'important qui est pris en compte hein, par le gouvernement, qui a créé une task force, qui travaille sur ce sujet, mais il faudra des années pour mettre tout ça en œuvre, et c'est pour ça que nous, on attire beaucoup l'attention des élus, et il faudra aussi sensibiliser le public sur ce sujet, sur le fait que cette transition énergétique, elle ne pourra pas se faire ultra rapidement, parce qu'il y a un certain nombre de choses exogènes au transport pur, qu'il faut vraiment faire évoluer. On peut prendre l'exemple des stations d'avitaillement. Aujourd'hui, en France, il doit y avoir à peu près 130 stations d'avitaillement au gaz sur l'ensemble du territoire. Pour avoir un ordre d'idée, il y en a plus presque 1000 en Allemagne et presque 1500 en Italie. Hein, donc ça situe le problème. Et en France, aujourd'hui, c'est le principal frein pour mes sous-traitants pour dire non, mais je ne peux pas m'équiper en gaz, je vais aller où est-ce que je vais faire le plein. Si quelqu'un doit perdre 1 heure ou 1 heure et demie tous les jours pour faire 60 km pour faire le plein, ça n'a plus aucun intérêt, ni en termes écologiques, ni en termes économiques. Donc il y a ces sujets-là. Sont extrêmement prégnants dans les choix de transition énergétique. Sinon, l'élargissement qu'on peut faire aussi dans nos métiers, c'est un élargissement plus global, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout ce qui est possible pour réduire l'impact du transport sur l'environnement. Le report modal vers le fer ou le fluvial, chez HEPPNER, c'est à peu près 12 000 tonnes par an qui passent au fluvial actuellement, quoi, et ça n'arrête pas d'augmenter parce qu'on essaie de, par exemple, pour emmener un conteneur d'un port à une ville, on essaie de privilégier le fleuve. On a également pas mal développé le vélo cargo dans les villes. On expérimente aussi un certain nombre de nouvelles technologies. Je pense à des véhicules électriques innovants, à des entrepôts mouvants dans les villes. Et on innove aussi dans certains domaines, comme par la création de stations d'avitaillement privée, publique, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on crée une station privée dans une de nos agences, on en prévoit une partie pour l'ouvrir au public afin de développer l'avitaillement en France. Bon, voilà un peu ce qu'on peut dire globalement sur une vision de transporteur de la transition énergétique très très rapidement et de manière la plus synthétique possible. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est effectivement un exercice très difficile d'apporter cette vision de façon synthétique, donc merci à vous. Ça rappelle bien la diversité des enjeux auxquels doivent faire face les acteurs dans la mise en place finalement de cette mobilité bas carbone, parce que c'est vrai qu'on peut en parler de façon théorique, mais c'est bien de voir aussi que ça implique vraiment concrètement pour les acteurs. Avant de prendre quelques questions du chat, je vais inviter Cécile Lanza, chef de projet Zone à faible émission à la ville et Eurométropole de Strasbourg, à se connecter pour nous parler justement de cette ZFE, de cette zone à faible émission qui a été mise en place au niveau de l'Eurométropole. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, ma première question pour vous est la suivante. Alors, la ZFE à Strasbourg, c'est une histoire qui est en deux temps. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quelle est cette ZFE et la démarche qui a été engagée par la ville et quels premiers enseignements finalement aujourd'hui? Oui, ben je vais présenter ma présentation. Rappeler justement du petit chemin pour… Voilà, ça a l'air d'arriver. Je vous dis dès que c'est bon. Je la recherche. Alors là, non, là, si là, on voit votre écran de partage. L'écran avec marqué votre écran, vous partagez votre écran, c'est la partie Blue Jeans. Il faut bien aller dans, du coup, les petites images que vous avez et faire partager la fenêtre d'application avec votre support, du coup. Voilà, là, il faut arrêter le partage, effectivement. Voilà. Du coup, il faut quand même que j'aille dans options de partage. Désolée. Alors, vous allez sur partager l'écran et vous allez dans fenêtre et vous choisissez votre support. Voilà, c'est ça que j'ai. Dès que ça arrive, il y a un petit temps de chargement. Non, ça ne fait la même chose que tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut faire… Je vous l'ai envoyé au cas où. Vous me l'avez envoyé, d'accord, je ne l'ai pas vu, donc je vais la charger. Oui. Et vous pouvez… Désolée. Je ne sais pas si vous avez besoin pour commencer du support, juste le temps que je la charge et dès que c'est bon, je vous la mets en partage. Hop. Oui, je vais commencer effectivement. Donc, merci pour cette invitation, effectivement. Donc, je m'occupe du projet de zone à faible émission de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, c'est un projet effectivement qui a commencé à se construire il y a quelques années. Et donc, je souhaitais vous le présenter effectivement en deux temps, puisqu'on a déjà une zone à faible émission aujourd'hui qui existe sur le périmètre de la Grande Île de Strasbourg. Donc, c'est vraiment le centre piétonnier. Je vous montrerai une carte quand la présentation sera chargée. Donc, c'est vraiment une zone très spécifique sur le cœur de ville. Et en parallèle, on est vraiment dans la dernière ligne droite sur la mise en place d'une zone à faible émission élargie, on pourrait dire, sur l'ensemble de la métropole, qui toucherait l'ensemble des types de véhicules et qui aurait un calendrier progressif jusqu'en 2028. Je vais vous le préciser. Donc, c'est vrai que c'est une volonté forte de la métropole d'agir sur les questions de qualité de l'air. Vous pouvez effectivement passer la slide d'après, puisqu'on a un enjeu fort, hein, vous le voyez sur la carte de notre ASCA Atmo Grand Est, qui montre bien que les axes routiers sont aujourd'hui en fort dépassement, hein, sur ces périmètres en rouge pour les oxydes d'azote. C'est bien dans ce cadre-là que la métropole, comme d'autres, est condamnée aujourd'hui pour des dépassements pour ce polluant-là par la Commission, par la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État. On estime aujourd'hui à 500 décès prématurés, hein, dus à la pollution de l'air sur notre territoire, et c'est 84% des émissions de dioxyde d'azote du territoire qui sont liées à la circulation routière. Donc, une nécessité d'agir à travers cette obligation au niveau national et européen, mais aussi une volonté politique, puisque c'est une forte demande de la population aussi d'améliorer la situation et d'aller vers une carte qui soit au maximum verte. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En deux mots, je veux quand même préciser qu'on a une politique des déplacements qui est très large et qui est en place depuis plus d'une trentaine d'années. C'est vrai que l'Eurométropole est relativement connue pour son tram, pour sa politique vélo. Je ne vais pas les redétailler ici, mais en tout cas, bien évidemment, l'outil de la zone à faible émission, elle vient plutôt comme un accélérateur pour mobiliser et agir sur les mobilités au sens large. Et on a de nombreux projets, hein, qui sont en cours. Parler de la zone à faible émission de la Grande Île de Strasbourg, vous voyez sa carte là à droite sur la slide. C'est un périmètre qui est relativement restreint et c'était un projet qui s'est construit autour d'une réflexion plus globale sur la mise à plat de la réglementation des marchandises sur cette zone. Et à cette réglementation plus de tonnage et d'horaire, s'est rajouté une touche, on va dire, une touche sur la question de qualité de l'air et de pollution, avec l'utilisation des vignettes critères qui étaient relativement récente à ce moment-là, en interdisant progressivement les vignettes les plus polluantes. Donc, on a eu deux étapes à ce stade, au 1er septembre 2018 avec l'interdiction des vignettes critères 5 et au 1er septembre 2019 l'interdiction des vignettes critères 4. Comme on est aujourd'hui en pleine réflexion au niveau de l'Eurométropole, on n'a pas encore annoncé de nouvelles étapes pour cette zone, mais on peut déjà en faire un petit bilan rapide. On a eu une enquête qui s'est faite pour voir l'état du parc aujourd'hui, et on voit que finalement, on a un parc qui est relativement récent, ce qui est pas trop surprenant, puisque c'est des types de véhicules et des raisons qui sont au niveau national, au niveau local, qui ont des relativement propres et récents, donc de façon relativement fluide. Il y a eu de nombreux échanges avec les partenaires, et on voit aujourd'hui qu'on a, du coup, l'après-midi, puisque c'est interdit l'après-midi, les livraisons, on a toute une série de vélos cargo qui circulent pour continuer à livrer l'après-midi. Et en parallèle, on a aussi de la livraison en bateau qui se met en place, vraiment avec de la livraison fluviale, avec une entreprise qui vient amener des marchandises et qui repart plutôt avec des déchets. Donc on a un système comme ça intéressant qui s'est mis en place aussi en parallèle. Donc la contrainte peut être aussi un levier pour de l'innovation. À cette échelle-là, ça a été plutôt concluant avec les acteurs sur le territoire. Donc voilà pour la zone à faible émission qui existe déjà. Maintenant, je vais parler de la zone qui va venir au 1er janvier 2022, face à la slide d'après. Donc effectivement, je disais que c'est une obligation légale, puisque dans le cadre de la loi d'orientation, la métropole de Strasbourg est dans l'obligation de mettre en place une zone à faible émission. C'était même au 1er janvier 2021. Le Covid est passé par là et les élections ont été décalées. Donc, on est plutôt sur un calendrier 1er janvier 2022. J'y reviendrai après. Donc, l'idée, c'est que on est dans la continuité des échanges et des libérations qui s'étaient déjà faites dans le mandat précédent. Et les élus qui sont arrivés en juin dernier ont confirmé vraiment la volonté d'avoir un périmètre large et d'avoir une zone à faible émission qui puisse toucher l'ensemble des types de véhicules et qui soit relativement progressive. Donc, on a eu vraiment toute une phase d'échange politique avec les communes. Ce sont bien les maires qui ont la compétence de signer les arrêtés de création des zones à faible émission. Ça pourrait évoluer avec la loi climat. On attend un peu de voir ce qui va en ressortir. Ce serait peut-être les présidents de métropole qui auraient la compétence pour signer ces arrêtés-là. Mais en tous les cas, même si c'était la présidente de la métropole qui le signait, il y a bien évidemment une nécessité de concerter, de trouver un consensus. Donc, ce que je vais vous présenter dans la slide d'après, c'est vraiment un scénario de consensus qui a été obtenu maintenant il y a un petit mois avec l'ensemble des maires des communes de l'Eurométropole. Donc, le calendrier, il est là. Donc, je disais bien que l'idée, c'est que ça touche l'ensemble des types de véhicules, que ce soit les poids lourds, véhicules utilitaires, véhicules légers et deux roues motorisées. Je précise que ce choix-là, il découle vraiment du fait que le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de kilomètres qui sont faits par les véhicules légers par rapport aux poids lourds et véhicules utilitaires. Et quand on regarde ensuite les émissions qui sont produites, on est à un équilibre relativement égal entre ce qui est émis par les poids lourds véhicules utilitaires et les véhicules légers. Donc les élus souhaitaient vraiment que ce soit l'ensemble des types de véhicules qui soient concernés. Et c'est un peu la même logique pour le fait que ce soit sur l'ensemble de la métropole, de dire que l'ensemble des habitants sont concernés par la pollution, l'ensemble des habitants circulent dans la métropole et donc aussi source d'émissions. Et donc la volonté était vraiment de rallier l'ensemble des maires sur ce projet-là. Donc le calendrier, il est le même pour l'ensemble des communes. Il a une phase, à chaque interdiction de vignette, on a d'abord une phase préparatoire et une phase qui est vraiment dans l'idée d'informer, de sensibiliser, d'accompagner vraiment à la transition à travers des aides à la conversion, des aides à aller vers d'autres modes de transport et aussi des contrôles qui sont pédagogiques. Donc, je prends l'exemple de la vignette critère 5. Elle démarrera au 1er janvier 2022, mais pendant un an, on sera sur des contrôles pédagogiques et les contrôles sanctions démarreront au 1er janvier 2023. Pour les vignettes critères 4, on aura 2 ans de période préparatoire en 2023-2024 et c'est au 1er janvier 2025 on aura les interdictions avec les sanctions. Pour les étapes des vignettes critères 3 et critères 2, on a aussi les élections municipales qui arrivent entre deux et c'est aussi des étapes qui demandent le plus d'efforts. On a le plus de véhicules qui sont concernés. Elles ont un pas de temps de 3 ans pour la phase préparatoire. Et en parallèle, les élus ont un souhait, et de toute façon aussi une obligation, mais de faire des évaluations régulières. L'idée, c'est de faire un suivi annuel puis de faire une évaluation plus conséquente mi-2023 pour voir si la tendance est bonne, si on va dans le bon sens, pour adapter aux besoins le scénario qui est présenté ici. Voilà pour notre scénario sur l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, merci beaucoup Cécile. Ma question suivante serait concernant les habitants. Quelle gestion et accompagnement en fait, du renouvellement du parc de véhicules? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je veux bien qu'on passe sur la slide d'après. Il y a deux choses. Alors donc je parle effectivement du 1er janvier 2022. Donc d'ici là, et on est en plein dedans, il y a une conférence citoyenne qui est en ce moment qui est entre le 10 mai et le 24 juin. Cette conférence citoyenne, c'est vraiment des échanges qui sont proposés avec les habitants et avec les entreprises pour évoquer le projet. Donc, ce que je disais, hein, le scénario, il a été construit, mûri avec l'ensemble des maires. Donc, il n'est pas mis en débat. Le déploiement de la zone à faible émission, c'est une obligation et son périmètre, son calendrier, les véhicules concernés ne sont pas mis en discussion avec les habitants et les entreprises. Par contre, la volonté, c'était vraiment d'informer au maximum sur le processus, sur ce que ça va donner avec ce calendrier, et puis d'avoir quand même un temps d'échange sur le comment on va mener cette transition. Certes, la métropole, comme je le disais, pose déjà une offre large de solutions de mobilité alternatives, que ce soit pour les entreprises ou pour les habitants, mais malgré tout, ce n'est pas forcément suffisant, ce n'est pas forcément le plus pertinent, et donc on échange en ce moment à travers différents ateliers qui se tiennent pendant tout le mois de mai et de juin avec les habitants et des ateliers spécifiques pour les entreprises pour adapter ces solutions de mobilité. On a aussi prévu des aides à la conversion que j'évoquais tout à l'heure. Elles ne sont pas encore complètement finalisées, puisque mais l'idée, c'est vraiment de venir aider les ménages à faible revenu un maximum pour convertir vers un véhicule plus propre s'ils sont dépendants de ce véhicule-là, et venir aussi en complémentarité avec les aides de l'État. De la même façon, pour les entreprises, ce serait plutôt pour des entreprises TPE-PME que les aides seraient ciblées. Et on a une troisième aide, et de dire que si la personne elle lâche son véhicule polluant interdit, on aura un bonus financier à utiliser sur l'ensemble des solutions de mobilité qui sont proposées par la métropole. Soit l'autopartage avec Cities, que ce soit avec un abonnement de transport en commun ou avec la location d'un vélo, ou un bonus l'achat d'un vélo électrique. Et on a une aide à l'achat d'un vélo assistance électrique qui est proposée à partir du mois de juillet. Donc ça pourrait être aussi un bonus qui serait proposé. Donc tout ça est encore en étude, à affiner aussi en ce moment avec les élus et en lien avec les résultats de la conférence citoyenne. Et vraiment, on a ce panel de solutions à travers des aides, à travers de l'offre et aussi à travers du conseil. Et j'y reviendrai encore sur une slide un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un peu l'étape où on en est aujourd'hui. Je vais bien en passer. Voilà, donc c'est ce que je disais, à travers des ateliers. On a trois volets, on a aussi un débat mobile avec les contraintes sanitaires. On a des ateliers, mais on a une tournée dans les communes avec un city truck qui permet d'échanger avec les habitants, qui fonctionne relativement bien, avec un bon retour, et un questionnaire en ligne aussi pour interroger les gens sur leur connaissance du dispositif, leurs besoins, les pistes aussi de solutions qui leur paraissent les plus utiles. Et on aura un temps de restitution qui sera en septembre, pour se laisser le temps aussi de regarder tout ce qui a été proposé, d'en faire des propositions. Donc en septembre, et on aura une délibération qui suivra juste après. Et on a, pour information, c'est un numéro vert qui a été mis en place pour que les gens puissent appeler sur toutes les questions qui restent, que ce soit sur la zone à faible émission, la conférence citoyenne en cours, et un mail aussi. Donc ça, c'est un peu le panel de ce qu'on propose, avec une grande campagne de communication aussi qu'on a faite en parallèle. Merci beaucoup pour ces précisions. J'ai un peu la même question finalement pour le parc de véhicules professionnels, et notamment sur la concertation qui a été mise en place avec ces acteurs. Oui, alors j'ai une slide. Est-ce que c'est juste après, normalement? Peut-être après. Hop. Voilà, c'est ça. Donc, en parallèle des échanges qu'on a eus avec les maires, on avait déjà démarré un échange avec les acteurs du monde économique, donc plutôt les chambres consulaires, les grands réseaux effectivement d'acteurs de la logistique, etc. Donc on a eu un temps d'échange un peu global en janvier, et puis différents échanges bilatéraux pour affiner aussi en fonction des filières, en fonction des problématiques de chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui est même en train de continuer, hein, bien sûr, en ce moment. Et on a, dans le cadre de la citoyenne, 3 ateliers spécifiques pour les entreprises où on va un peu au-delà des réseaux et des chambres consulaires, des entreprises, des artisans, différents types d'entreprises qui sont présentes. Il y en a eu un qui a déjà eu lieu la semaine dernière, on en aura encore 2. En parallèle de ça, on a une grande enquête qui a été lancée maintenant il y a 2 semaines, qui finira le 6 juin, principalement sur les flottes de véhicules d'entreprise, puisque aujourd'hui, on arrive relativement facilement à avoir un état du nombre de poids lourds concernés par étape d'interdiction. On n'a pas la finesse derrière de savoir comment cette zone à faible émission elle impactera plus ou moins les filières, les typologies d'entreprises, comme je disais tout à l'heure. On a bien sûr des ressentis, des choses qu'on imagine, mais on voulait vraiment avoir une enquête un peu plus objective sur le sujet. C'est quelque chose qu'on a monté avec la CCI, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture, et on interroge vraiment les entreprises sur une échelle au-delà de l'Eurométropole, puisque évidemment on a des entreprises, nombreuses entreprises qui sont plus en dehors de l'Eurométropole, qui viennent travailler sur l'Eurométropole et qui sont concernées, et qu'on interroge sur l'état de leur parc, et puis aussi sur leur typologie de déplacement et leurs usages des avitaillements, bornes de recharge, stations GNV notamment, et puis sur les usages de l'autopartage, etc. Et aussi sur les salariés, la question des plans de mobilité, puisqu'on accompagne aussi avec un dispositif optimiste sur ce volet-là. Donc cette enquête est en cours, elle devra nous permettre aussi d'affiner l'accompagnement qu'on peut apporter aux entreprises. Et je liste juste aussi en dessous, hein, les enjeux qu'on a identifiés avec eux. Bien sûr, il y a la question des flottes, on a la question des déplacements de salariés que j'évoquais tout à l'heure. Ils peuvent, eux, utiliser l'ensemble de l'offre qu'on a sur le territoire. Mais comment est-ce qu'on travaille finement avec les entreprises pour accompagner les salariés qui sont impactés par la zone à faible émission et dont le véhicule est interdit? La question des fournisseurs et des clients, pas que les véhicules des entreprises, mais bien sûr les fournisseurs des clients qui n'ont pas forcément les véhicules avec la bonne vignette, donc comment on accompagne ça? Et la question de la logistique et de la livraison. Et donc, les éléments de réussite, je les évoquais, il y a entre autres la question de l'avitaillement, la question du conseil. On a une agence pour le climat qui sera en place à partir de septembre et qui accompagnera les entreprises et les clients, et qui sera aussi en complémentarité avec la CCI qui fait un guichet sur ce sujet. On a la vraie question de la disponibilité sur le marché des véhicules aujourd'hui en critères 1 ou 0, notamment pour les poids lourds, hein, c'était évoqué par l'intervenant précédent. Donc si on n'a aujourd'hui aucune solution, il y a vraiment la question des dérogations qu'on est en train d'affiner, qui pourront évoluer avec le temps, au plus près de la réalité, des possibilités et des coûts aussi qu'il y a derrière. Et enfin, la question de solutions alternatives, d'innovation, accompagner aussi, donner quelques exemples, que ce soit des commandes coupées, des flottes de véhicules partagés, de l'autopartage aussi qu'on peut imaginer pour des véhicules utilitaires, etc. Donc, vraiment quelque chose qu'on construit ensemble avec les entreprises au fur et à mesure dans le cadre de ce projet. Bien, merci beaucoup Cécile pour cet échange et ce retour d'expérience. Donc je vous invite à rester avec nous pour répondre aux questions du chat, mais peut-être avant cela, pour compléter les propos de la table ronde, Aurélien Bigot, est-ce que vous pourriez évoquer rapidement la question des véhicules low-tech? Oui, en effet. Alors, je partage mon écran si ça fonctionne bien. Juste pour montrer très bien une petite image pour un point de départ de cette réflexion des véhicules low-tech, c'est notamment le fait qu'on l'a vu pour les véhicules électriques, c'est essentiellement la production du véhicule et notamment la production de la batterie qui sont assez impactants pour l'environnement, donc à la fois en termes d'émissions de CO2, mais aussi d'autres impacts en termes de consommation de métaux ou de pollution des milieux. Et pour la voiture électrique, c'est aussi le coût du véhicule, quoi. Le coût de la mobilité sera surtout sur l'achat du véhicule et moins sur l'usage, parce que l'électricité est moins chère que le carburant pétrolier. Et du coup, sur cette question du type de véhicule, on a besoin d'aller aussi vers d'autres mesures avec plus de sobriété sur les véhicules utilisés, et notamment d'explorer un potentiel qui aujourd'hui a été assez peu exploité, de modes qui peuvent être pour la plupart un peu des sortes de modes ou de véhicules intermédiaires entre le vélo classique tel qu'on peut le connaître aujourd'hui et la voiture telle qu'on peut la connaître. avec des véhicules qui peuvent permettre éventuellement d'avoir par rapport au vélo classique des usages qui sont plus larges. Du coup, on voit par exemple que le vélo assistance électrique aujourd'hui permet d'avoir des usagers qui sont beaucoup plus larges que ceux du vélo classique. Il y a beaucoup plus de report modal depuis la voiture vers le vélo assistance électrique que pour le vélo classique. Et donc des usages aussi qui peuvent être plus larges. Par exemple, pour les vélos cargo, ça peut être de transporter des enfants, transporter des charges. Pour les vélos pliants, ça peut être très adapté pour l'intermodalité. Pour les vélos mobiles, ils ont une meilleure efficacité énergétique, peuvent permettre d'aller un peu plus vite aussi parce qu'il y a un meilleur aérodynamisme. Et du coup, ça permet de faire éventuellement des distances un peu plus longues, notamment pour les zones peu denses. Donc il y a des usages de ce type-là qui pourraient être développés. Et puis si on regarde plutôt du côté de mode, donc cette fois-ci de mode passif, ne sont pas des modes des véhicules dans lesquels on pédale, par exemple. Il peut y avoir aussi un potentiel, un intérêt par rapport à la voiture, d'avoir des véhicules qui soient bien moins chers, mais aussi en termes de consommation de ressources, de capacité de batterie ou de consommation d'énergie à l'usage, qui sont aussi bien plus vertueux. Donc aujourd'hui, il y a tout un potentiel qui existe. Pour certains de ces véhicules-là, ils se développent déjà. Les vélos assistance électrique sont en pleine croissance. Par exemple, ces mini-voitures type Twizy, on commence à en voir un petit peu aussi. Il y a la Citroën Ami aussi qui est un peu dans ce même type de véhicule. Et donc, il y a un gros potentiel à développer éventuellement, en tout cas à tester dans un premier temps, et un gros potentiel, en tout cas, si le report vers ce type de véhicule se fait bien évidemment depuis la voiture. Si c'est des piétons qui passent à ce type de véhicule, on peut bien imaginer que c'est bien moins favorable. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de au moins tester ces véhicules. Donc aujourd'hui, qui sont pour certains d'entre eux, par exemple le vélo mobile, assez chers parce qu'ils sont produits en très petite quantité. Donc de développer des programmes un peu industriels, et puis aussi par exemple des tests de systèmes de location à longue durée, pour en voir quels sont les usages qui peuvent en être faits de ce type de véhicule, quels sont les avantages, les inconvénients, ajuster, et puis voir quelles sont éventuellement les politiques publiques à mettre en place pour développer ces véhicules-là à l'avenir, si jamais ils répondent bien aux attentes des usagers et puis aux intérêts notamment environnementaux ou sociaux qu'on peut y voir en termes aussi de coûts de la mobilité. Merci beaucoup Aurélien pour ces précisions. Je vais à présent proposer à Cécile Lanza de se reconnecter également. Alors Monsieur Schmitt a dû malheureusement partir puisqu'on est un petit peu en retard. Alors peut-être avant de revenir sur les questions du chat, je vais vous partager les résultats de la question qu'on avait posée sur Bicast, à savoir qu'est-ce qui vous amènerait à changer de véhicule pour un véhicule à faible émission. Alors je vais vous partager tout de suite mon écran, vous allez me dire si ça fonctionne bien. Voici. Alors, nous avons... C'est bon, parfait. Très bien. Donc, la catégorie qui avait le plus de propositions était finalement la catégorie des facteurs économiques. On pouvait s'en douter effectivement un petit peu avec la question des incitations financières ou fiscales pour le changement de véhicule, mais aussi globalement la question du gain sur le coût du trajet au quotidien versus aussi le coût à long terme du véhicule. Donc c'est vraiment cette question de l'évaluation économique qui est ressortie comme étant quand même assez prioritaire. La question bien sûr des aides, des incitations à la conversion et globalement des primes, enfin tout ce qui pourrait favoriser le passage à l'acte. Mais cette question voilà du coût global a quand même été posée à plusieurs reprises. Nous avons ensuite la question, alors sur la partie sociale, sur les facteurs sociaux, on voit qu'on est quand même plutôt sur des approches individuelles, à savoir en tant qu'individu, l'impact sur la santé, l'impact sur la satisfaction personnelle, voilà, c'est vraiment le côté plus individuel qui ressort. Sur les politiques publiques, la ZFE est effectivement considérée comme un outil qui amènerait à changer de véhicule pour un véhicule à faible émission, de même que la mise en place de ZTL, de zones à trafic limité. Donc ça, c'est aussi une proposition qui est ressortie, d'avoir des voies réservées à certains types de véhicules ou des accès facilités, ainsi que le développement effectivement de services comme l'autopartage de véhicules à faible émission dans les collectivités. Sur les aspects techniques, ce qui est ressorti en premier lieu, ce sont tout ce qui relève des stations de recharge et de l'autonomie des véhicules. Donc c'est là qu'on avait le plus de propositions. La question des services à nouveau, notamment pour les vélos et la réparation. Et globalement, la question des technologies pour avoir des pollutions qui soient globalement moins impactantes et pas forcément que la question du zéro émission net, mais voilà, c'est la question aussi d'avoir du recul sur l'hydrogène, les batteries électriques, c'est finalement un peu plus large sur l'ACV du véhicule en tant que tel. Enfin, donc voilà, je passe un peu vite, hein. De toute façon, vous avez accès sur Bicast à l'ensemble des résultats, si vous voulez les voir plus en détail. Concernant l'utilisation du véhicule, c'est pareil, la question du covoiturage, de l'autopartage, de la location à la demande, et donc d'avoir des services qui permettent finalement d'utiliser son véhicule différemment, donc ça c'est revenu aussi assez fortement. Et enfin, dans la catégorie autre, la question de finalement de penser des déplacements à vélo autrement, mais comme des déplacements utilitaires également, c'est-à-dire domicile-travail, achat. Donc vraiment d'avoir cette vision-là, en tout cas, de ce type de déplacement. Voilà, c'était pour faire très bref sur ce qui est ressorti du coup des post-it qui ont été proposés par les participants du webinaire. Alors, je vais peut-être déjà poser une question pour Aurélien. Alors, la question, c'était un peu par rapport à votre présentation qui était de peut-être revenir sur comment la variable liée au prix de l'énergie, notamment celle des énergies fossiles, peuvent impacter finalement les analyses présentées. En quoi cette variable impacte fortement du coup les analyses que vous avez montrées? En effet, alors la question se pose pour l'ensemble des énergies. Comment elles évolueront à l'avenir, ça pourrait être assez structurant. Après, il y a certaines énergies pour lesquelles les prix de marché sont plus ou moins volatiles, et en effet pour le prix du pétrole, les prévisions qui ont pu être faites par le passé s'avèrent toujours à peu près fausses. Donc on peut être sûr que souvent en tout cas on a des prix qui sont beaucoup plus volatiles que les hausses un peu régulières qui peuvent être prises dans les évaluations. Donc ça, c'est très difficile aujourd'hui de dire est-ce que à l'avenir le prix va baisser, va augmenter, à quelle échéance, etc. Mais ça impactera fortement du coup le prix du pétrole, du coup le prix des technologies thermiques qui sont aujourd'hui majoritairement utilisées, et du coup l'intérêt et l'avantage relatif des autres technologies par rapport au pétrole. Après, la question se pose aussi du coup pour les autres énergies où il pourrait y avoir des gains qui pourraient être faits sur la production de ces énergies. Je l'ai cité un petit peu sur le biogaz ou sur l'hydrogène. Après, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus prévisibles que le prix du pétrole. Et après, un autre paramètre qui est très structurant au-delà des marchés, disons, du pétrole, c'est aussi quelle évolution de la tarification du carbone sera prévue. Et en fonction de cette tarification, ça fera aussi varier l'avantage relatif des différentes technologies, ou en tout cas du pétrole par rapport aux technologies décarbonées. Merci beaucoup pour ces précisions. Cécile Lanza, donc une question pour vous sur la question des sanctions, amendes. Alors, la question c'est, les sanctions amendes comme la vidéo-verbalisation prévue par le gouvernement sont-elles selon vous indispensables pour l'atteinte des objectifs ZFE? Oui, c'est une bonne question. Alors, des analyses qu'on avait pu faire hein, sur la émission qui existe aujourd'hui, on avait un impact assez important, même si on était sur des contrôles ponctuels des forces de police. Malgré tout, ça a quand même un poids. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'aller vers des contrôles automatiques. Là-dessus, on dépend un petit peu aussi effectivement de l'État pour la réglementation et puis de la labellisation des caméras, etc. Ça, c'est des échanges qui sont en cours. Donc, on sait que pour les premières étapes, donc au moins les 2 prochaines années, on sera plutôt soit sur du pédagogique, soit sur des contrôles de force de police ponctuels. Là, effectivement, on est en échange, nous, avec l'État au niveau local et efficace possible. Et ensuite, on irait sur de la vidéo-verbalisation, lecture de plaques automatique, ce qui ferait effectivement le lien indirect avec l'ANTAI, hein, l'agence qui permet de payer les PV. Mais je précise quand même que dans la loi, on n'a pas la possibilité de contrôler l'ensemble des véhicules par rapport aussi à la question des données personnelles, donc, et la liberté d'aller et venir. Donc, il y a aussi une limitation qui se fait de ce point de vue-là. Ça paraît nécessaire effectivement pour l'efficacité du dispositif. Très bien, alors comme il est déjà 12h08, je vous propose qu'on en reste là. Je vous invite peut-être à répondre aux questions directement dans le chat, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui défilent au fur et à mesure, je pense que vous avez pu le constater. Donc n'hésitez pas à répondre aux questions qui vous concernent. Merci à tous les deux d'avoir été là ce matin et d'avoir répondu du coup aux différentes questions et de nous avoir présenté ces contenus très très riches. Merci à vous. Nous allons à présent poursuivre. C'était un plaisir de vous avoir. Nous allons à présent poursuivre nos échanges avec notre séquence dédiée aux travaux régionaux et l'intervention de Laurent Calvalido, directeur général adjoint Transport-Logement au Conseil régional Île-de-France. Il va nous présenter les politiques régionales mises en place pour répondre aux défis de la mobilité bas carbone. Bonjour Monsieur Calvalido. Bonjour. Ravi, merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Parfait. On vous entend parfaitement. Bon, mais impeccable. Je vais projeter . Est-ce que c'est bon sur le... Vous voyez bien l'écran ou pas? Alors, c'est pas en... Voilà, là c'est parfait. C'est en plein écran, c'est parfait. Donc effectivement, je vais vous présenter rapidement les dispositifs de la région Île-de-France et puis j'en profiterai également pour évoquer ce d'Île-de-France Mobilité, puisque les deux acteurs, même si Île-de-France Mobilité est, pour rappel, un syndicat mixte qui regroupe plusieurs collectivités, dont tous les départements et la ville de Paris, ce sont les deux acteurs qui œuvrent conjointement donc à l'échelle régionale sur ces questions de mobilité. Donc le premier point important, c'est que dans l'idée de se déplacer mieux, il y a bien évidemment le rôle clé que jouent les transports en commun, pour lesquels donc il y a des investissements assez structurants qui ont été conduits par la région Île-de-France Mobilité, qui sont amenés à se poursuivre. C'est des investissements sur le long terme. Donc on a actuellement 15 projets de prolongement de métro, RER, tramway, téléphérique. Et en parallèle, une modernisation du réseau ferroviaire, notamment porté par SNCF Réseau, et des matériels roulants pour améliorer la qualité de service. L'idée étant que c'est notamment un des points qui peut, avec le développement d'offres nouvelles, inciter au report modal par rapport à des modes plus polluants. Donc c'est vraiment cette idée de redonner envie aux Français de prendre les transports en commun, sachant qu'on a effectivement une période actuelle qui, avec la crise sanitaire, a considérablement affaibli leur utilisation et avec ce qu'on a pu observer sur un certain nombre de reports sur la voiture. Dans les autres éléments sur les transports en commun, on observe aussi un grand retour du bus qui a l'avantage de pouvoir notamment desservir des zones plus facilement, donc en milieu rural notamment. Alors ça peut passer par des bus sur site propre, c'est les projets TESEN. On a fait le Grand Paris des bus, donc 900 lignes de bus renforcées, donc principalement en Grande Couronne, mais également à Paris, il y a une grande refonte de l'offre de bus pour mieux desservir certains arrondissements, je pense au nord-est, qui avaient une grosse croissance démographique. Le développement des loctiliens la nuit, qui sont très utilisés, et puis j'en reparlerai un peu après, tout ce qui concerne les bus express sur route, pour là aussi essayer d'avoir une alternative à l'autosolisme. Un point enfin sur les bus, c'est dans les milieux ruraux, il y a justement, il y a quand même cette question de l'offre, d'offrir une alternative à la voiture individuelle. Il y a le transport à la demande qu'on développe de plus en plus. On a 20 transports à la demande actuellement, donc c'est Île-de-France Mobilité qui gère ce sujet-là, avec une plateforme de réservation, et ça permet de développer ce type de service qui est beaucoup plus souple et moins onéreux qu'un réseau de bus permanent qui aurait moins d'utilité lorsqu'il y a peu de demandes. Alors un des éléments clés pour l'utilisation des transports en commun, c'est bien évidemment l'intermodalité, donc toute la question des parkings relais dans les gares, et au niveau des nœuds routiers qu'il faut pouvoir développer pour justement inciter les gens à se rabattre sur ce type de parking relais et puis à utiliser derrière une ligne de transport en commun lourd. Il y a également les consignes vélo pour justement cette intermodalité vélo-transport en commun qui est importante, pour là aussi avoir un rabattement qui ne se fait pas forcément que par la voiture. Et puis les nouvelles applications, ce qu'on appelle le MAS, qui de plus en plus essaie d'intégrer des trajets multimodaux. Donc Île-de-France Mobilité est en train d'en développer une à ce sujet pour avoir cette couche de service qui permet de proposer des solutions au-delà des infrastructures que l'on réalise. Alors, pardon, du coup, j'ai sauté un point. Donc sur tout ce qui concerne maintenant les véhicules, donc la région a des aides pour les véhicules propres. Elles sont principalement dédiées aujourd'hui aux artisans et aux petites entreprises franciliennes. C'est vraiment des aides ciblées sur les TPE, les PME, artisans, taxis. Dès qu'il y a une acquisition de véhicules électriques, hydrogène, gaz, hybride rechargeable qui est intégré aussi. Donc jusqu'à présent, c'est 10 000 demandes qui nous ont été transmises, instruites, et avec l'idée que ça puisse être un des dispositifs, même si effectivement c'est parmi beaucoup d'autres qui existent, portés par l'État bien évidemment, qui porte la plus grosse partie de ces aides, ou par la MGP ou la ville de Paris, c'est de pouvoir accompagner la mise en place de la ZFE. Et puis un point également sur le fait que la région a récemment mis en place un dispositif d'aide au rétrofit, qui est une filière qui a sans doute quand même un avenir devant elle, alors à voir selon le type de véhicule, mais Renault notamment dans le cadre de la reconversion de Flins envisage très sérieusement de se mettre sur ce créneau, et on peut penser qu'il peut être porteur avec une filière qui est en train de se structurer. Alors quand on parle aide aux véhicules propres, il y a toujours le sujet derrière des bornes électriques. Hein, c'est toujours le sujet de l'œuf et de la poule par rapport à ce qu'il faut développer en premier. Donc de notre côté, on a un plan électromobilité qui projette de créer 12 000 bornes de recharge en accès public d'ici 2023. Donc l'idée, suite à une étude avec l'INEDIS, hein, c'est que d'ici cette échéance, 45%, un peu moins de la moitié des Franciliens disposent d'une borne de recharge à moins de 10 minutes à pied de leur domicile ou de leur travail, contre 17% aujourd'hui. Ces bornes sont financées à 50% par la région, et on a un site qui s'appelle Rouler Branché, qui répertorie l'ensemble des bornes publiques labellisées par la région. Alors pour être labellisé, soit il faut un financement, soit il faut pouvoir démontrer que les bornes ont un certain niveau en termes de sécurisation, sont géolocalisées, accessibles à tarifs raisonnables, maintenues dans le temps. Et donc ça donne toutes ces bornes, avec d'ailleurs toutes les indications sur ces bornes électriques, de même que ça vous donne toute une série d'informations pour les collectivités, les particuliers, les entreprises, pour la bascule sur l'électromobilité. Donc j'invite ceux qui nous regardent, s'ils sont intéressés, à aller sur ce site Rouler Branché, donc qui est assez intéressant et assez exhaustif sur les bornes électriques en Île-de-France. Alors un autre point, c'est quand on parle de mieux se déplacer ou se déplacer autrement, et bien évidemment la question de la route, qui est sans doute l'infrastructure la plus sous-optimisée aujourd'hui, hein, puisque alors il n'y a pas de chiffres réellement fiables sur le sujet, ça dépend beaucoup des comptages et à différents moments de la journée, mais on estime qu'on serait entre, selon les moments de la journée, entre 1,1 et 1,3 passagers par véhicule. Donc c'est toute la question de l'autosolisme sur laquelle les objectifs portés par la région, c'est d'essayer de développer des voies dédiées pour bus, taxis et covoiturage afin d'augmenter le taux d'occupation. Alors c'est notamment un des exemples qu'on cite souvent, c'est la gare de Bry-sous-Forges, hein, sur autoroute, où vous avez juste au-dessus un parking relais multimodal, des bus sur autoroute qui s'arrêtent directement sur la voie, qui prennent les passagers. Le bus qui bénéficie ensuite d'une voie réservée sur l'autoroute A10 et qui termine son trajet à la gare de Massy pour que les gens puissent prendre le RERB ou le RERC. Donc on a développé ces voies sur plusieurs axes, hein, que j'ai mis sur la diapo. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui qui est l'ouverture au covoiturage, qui nécessite aussi de mettre en place un contrôle, un système de contrôle-sanction, donc pour laquelle on est en attente que l'État puisse avancer, puisque il y a des questions d'homologation, puisque notamment si on veut réussir à augmenter ce taux d'occupation, il faut, au-delà des aides qu'on a pu porter, je pense notamment au covoiturage avec Île-de-France Mobilité, qui a toujours une aide aujourd'hui, donc à la fois pour les conducteurs qui bénéficient d'une indemnité entre 1,5 et 3 € par passager en fonction de la distance qui est parcourue. Pour les passagers, puisque quand vous êtes titulaire d'un Navigo, vous avez le droit à 2 trajets par jour gratuits sur toute une série de plateformes partenaires, hein, qui sont les principales sur le secteur. Ces aides sont insuffisantes aujourd'hui si malgré tout vous n'offrez pas un gain de temps significatif qui justifie, vis-à-vis des contraintes que peut générer le covoiturage pour le conducteur, le fait qu'il, au-delà de l'aide financière finalement assez minime qui lui est apportée, qu'il puisse ouvrir sa portière et prendre un passager. Et donc de ce point de vue-là, les voies réservées sont pour nous vraiment un aspect extrêmement structurant, avec une question d'acceptation qui se joue énormément. Hein, en revanche, on privilégie plutôt l'idée d'utiliser les bandes d'arrêt d'urgence, mais c'est un élément très fort pour inciter ce report sur le bus ou le covoiturage. Alors un point très important sur le vélo, qui fait l'objet d'un soutien très important, hein, tant de la région que d'Île-de-France Mobilité. Donc la région a un plan vélo pour soutenir l'ensemble des aménagements cyclables. Pour éviter le saupoudrage, on demande aux collectivités désormais de définir au préalable, avant nos subventions, une stratégie cyclable. L'idée étant d'éviter de financer des bouts de pistes cyclables qui finissent sur rien ou qui n'ont pas forcément d'objectifs en termes de dessert. Donc c'est d'inscrire nos financements dans le cadre d'une vraie stratégie de dessert des principaux pôles d'emploi, d'enseignement, de transport au sein des collectivités. Et puis côté Île-de-France Mobilité, donc on Il y a plusieurs mesures. L'idée, c'était vraiment de comment essayer d'inciter les Franciliens à basculer sur le vélo, puisqu'on a quand même 2 tiers des trajets en Île-de-France qui font moins de 3 km. Donc, on a d'une part Véligo Location qui a été adopté, hein, qui 20 000 vélos, location à longue durée, donc c'est un projet assez ambitieux, location de 6 mois qui permet quelque part de donner envie derrière d'opérer la bascule, et puis en suivant donc une prime à l'achat de 500 € d'Île-de-France Mobilité, jusqu'à 600 € si on a développé on accepte là-dessus de donner aussi une aide de 600 € quand c'est des vélos cargo, vélos pliants. On a même aussi une aide pour les vélos pour les personnes en situation de handicap. Donc l'idée étant, avec ces 2 dispositifs, le Véligo Location et la prime à l'achat, d'aider les Franciliens à basculer sur le vélo. Et pour tout ce qui est intermodalité que j'évoquais, qui est un élément clé, c'est bien évidemment les consignes vélo en gare sécurisées. Donc l'objectif en 2025, c'est d'avoir une consigne Véligo dans chaque gare, sachant qu'elles sont là aussi gratuites pour les abonnés, là aussi afin de favoriser vraiment cette intermodalité. Et quand on parle vélo, donc un projet très structurant dont on parle beaucoup, c'est le RER Vélo, qui en plus donc aujourd'hui est porté par l'ensemble des candidats aux élections régionales à venir. Alors qui est un projet, et moi je tiens à le saluer, hein, dont l'origine est pas politique. Il a vraiment été porté, imaginé par le collectif Vélo Île-de-France, hein, qui structure l'ensemble des associations franciliennes. Donc co-construit derrière avec les collectivités, et donc repris par la région en termes de coordination. L'idée étant de réaliser, vous avez le schéma sur cette diapo, à terme 680 km de pistes cyclables. Ce sont c'est l'étape d'après par rapport au plan vélo qui visait le vélo TAF à une échelle plus communale, en ayant là cette fois des grands axes structurants le long des lignes de RER, avec d'ailleurs le même type de typographie, hein, d'où l'appellation RER Vélo. 5 lignes prioritaires d'ici les JO qui sont en couleur, et puis l'ensemble des 20 lignes à réaliser à l'horizon 2030 au plus tard, on va dire, même avant si on peut. Et donc une démarche collective en lien avec les collectivités et le collectif vélo pour réaliser des voies structurante, avec un haut niveau de sécurité et de confort, et donc là aussi aider à franchir cette barrière du fait de prendre le vélo, sachant que le vélo assistance électrique permet aujourd'hui de parcourir quand même des distances un peu plus importantes que le vélo mécanique ne le permettait auparavant. Je fais un point rapide également, puis ce sera mon avant-dernier point, donc sur la transition énergétique des flottes de matériel roulant d'Île-de-France Mobilité. Donc un enjeu important, alors pas tant sur le total des émissions, parce que finalement les flottes de bus, c'est pas ce qui pollue le plus, surtout si on ramène au nombre de passagers, mais c'était emblématique malgré tout d'une action d'exemplarité qui est menée, et je pense d'ailleurs au-delà d'Île-de-France Mobilité, par beaucoup de collectivités qui gèrent les transports en France. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 100% de bus propres en zone dense en 2025, 2029 pour l'Île-de-France, avec une bascule majoritairement sur le GNV et l'électrique, beaucoup plus de GNV, notamment en Grande Couronne. Donc c'est un chantier assez titanesque, parce qu'il y a toute la conversion des dépôts, et puis également des expérimentations qu'on mène, même si la technologie est moins mature, sur l'hydrogène. J'ai mis une photo en bas à droite, à Versailles actuellement, et puis à Créteil à venir. Donc aujourd'hui, on a déjà 10% des 1500 bus d'Île-de-France Mobilité qui circulent au bio-GNV. Quand on comptabilise les électriques et les hybrides, ça fait déjà 27% de la flotte qui va pouvoir assurer qui a déjà assuré sa transition. Et donc c'est un peu une transition à marche forcée pour atteindre les objectifs de date que j'ai précisés. Et puis donc sur les trains, donc là en revanche l'enjeu est moindre, hein, puisque faut quand même savoir, on a juste une dernière ligne non électrifiée en Île-de-France, qui est la ligne P. La P Sud sera électrifiée en 2022, et on a annoncé qu'on électrifierait la dernière ligne, la P Nord, dans les années à venir. Donc voilà, a priori, il y aura plus de trains diesel en Île-de-France d'ici 2030. Il y en a quasiment peu aujourd'hui qui circulent. Un élément aussi, bon, qui là correspond peut-être plus à se déplacer moins, c'est tout ce qui concerne le télétravail et lissage des horaires de pointe, pour lesquels on avait déjà engagé des actions avant même la crise sanitaire, avec 3 expérimentations qui avaient été lancées en 2018 et 2019 à La Défense, Évry et Plaine Commune, en lien avec une vingtaine d'entreprises à chaque fois. L'idée étant d'inciter avec les managers de ces entreprises au télétravail, qui était déjà très implanté dans les services, mais peu dans les entreprises industrielles, surtout au lissage des horaires de pointe, pour lequel c'est un énorme enjeu, parce qu'en fait, on se rend compte à la Défense que vous avez un pic de fréquentation, c'est le petit graphe que je montre dessous, entre 8h45 et 9h, et finalement qui dimensionne aussi d'ailleurs tous les investissements sur les transports en commun. Et alors sur Évry, sur le coup, c'est la même chose, mais ça va être plutôt avec des accès routiers, donc plus problématique sur l'impact environnemental. Donc l'idée, c'était vraiment d'inciter à ce lissage ou aussi à des modes alternatifs comme le vélo. Et donc là-dessus, donc on a ces expérimentations qui passent notamment par des une métrique d'ailleurs qui est donnée sur on envoie un graphique comme celui que vous avez en bas à gauche en fait, hein, qui montre justement ces heures de pointe au niveau des entreprises, de manière à inciter les employés à décaler leurs horaires pour éviter justement la congestion qu'on connaissait avant la crise à l'heure de pointe du matin. Donc ça, c'est un héritage positif qu'on espère avoir quelque part du fait de la crise, hein, c'est ces changements de comportement qui peuvent être importants, qui peuvent permettre d'éviter que le temps de transport soit un temps subi. Et donc, on accompagne aussi les tiers-lieux, toujours dans l'objectif d'éviter des trajets parfois domicile-travail qui sont, voilà, c'est 3 heures, 1h30 au total, pardon, donc on est en moyenne en Île-de-France. Donc, c'est des trajets qui, s'ils peuvent être évités certains jours de la semaine, peuvent aussi alléger l'impact sur le système de transport. Et sur les marchandises, très rapidement, donc on a une stratégie fret et logistique basée sur plusieurs piliers. Alors, bon, déjà, il y a une réalité, c'est 90% du transport de marchandises se fait par la route. Donc, il y a une vraie nécessité d'accompagner le verdissement des flottes. Donc, on finance des stations GNV via la SEM, CIGF Mobilité. On a également donc une action sur le fret ferroviaire qui n'est pas évidente parce qu'en fait là-dessus il y a une vraie compétition en zone dense avec le trafic voyageur, mais on a beaucoup de choses à faire sur l'intermodalité, notamment avec le fluvial, sur des bases comme Bonneuil, le port de Limay, Gennevilliers, et de favoriser justement le fret ferroviaire jusqu'à l'entrée de l'Île-de-France pour ensuite pouvoir faire éventuellement les derniers kilomètres en fluvial. Alors le fluvial justement qui pour nous a un gros potentiel, hein, il est à 6% de part modale. On pourrait vraiment tripler le transport de marchandises par la Seine, hein, et on a vraiment l'objectif d'en faire un corridor hydrogène. La fusion avec Aropa de ce point de vue des ports normands et du port de Paris est plutôt une bonne nouvelle pour essayer d'avoir aussi un impact important sur les investissements et permettre de favoriser ce mode fluvial pour le fret. Et donc on a des aides importantes avec VNF sur le changement de motorisation de la batellerie francilienne et le financement de bornes de recharge pour là aussi aider par rapport à une batellerie qui est quand même assez ancienne, à avoir un fret fluvial plus propre. Donc voilà rapidement, alors c'est jamais un exercice complètement exhaustif, mais j'ai essayé de faire quelques focus sur les grandes actions de la région et d'Île-de-France Mobilité par rapport à la thématique de ce webinaire. Merci, Monsieur Calvalido, pour ces informations et puis pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Il est à présent 12h26 et on arrive à la fin de notre rencontre du jour, mais aussi du cycle zéro émission nette. Avant de laisser la parole à Sophie Dodieu, chargée de projet à l'Institut Paris Région et membre du groupe projet en charge de l'organisation de ce cycle, pour quelques mots de conclusion, je vous informe qu'un questionnaire vient d'être mis en ligne sur Bicast. C'est un questionnaire d'évaluation de la rencontre qui va vous permettre de nous faire remonter ce que vous avez pensé de la matinée, mais également ce que vous avez pensé du cycle pour ceux qui l'ont suivi sur les différentes rencontres. Voilà, je vais à présent laisser la parole à Sophie Dodieu, donc pour la conclusion. Bonjour Louise, merci. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Très bien. Alors, je vais peut-être commencer par partager mon écran pour repartager les livrables. Est-ce que c'est bon? Ok, très bien. C'est pas en plein écran, mais c'est lisible. D'accord, ça va, c'est lisible? Oui, oui. Je vais le réexpliquer rapidement. Pour terminer ce cycle, je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, au cours des différentes rencontres, mais c'est une information qui est quand même importante. Vous trouvez sur le site de l'Agence régionale de l'énergie et du climat l'ensemble du cycle avec les rencontres. Et vous avez accès, il y a souvent des questions là-dessus, sur les replays. Vous avez accès aux replays de chacune des rencontres et les supports associés. Donc, au fil de chaque rencontre, un compte-rendu d'une dizaine de pages est produit. Nous sommes en cours de finalisation pour information de du compte-rendu de la rencontre numéro 4 qui portait sur la séquestration. Et elles seront mises en ligne au fil donc des jours. On espère pouvoir en juin sortir les derniers comptes rendus. Nos collègues aussi de la médiathèque ont produit des bibliographies qui ne sont pas exhaustives mais qui sont quand même assez complètes. N'hésitez pas à vous reporter. Et vous avez associé à ces rencontres, évidemment, quand il y a des PowerPoint, les présentations, enfin les supports, les diapositives, les présentations qui sont aussi mises en ligne. En parallèle de ce travail-là, de ces supports-là, une note rapide qui a été produite au tout début du cycle de rencontres et est encore disponible sur notre site. Il s'appelle « Zéro émission nette, de quoi parle temps ?» et une deuxième note rapide sera produite dans les semaines, mois à venir. Quelques fiches initiatives ont aussi été produites. Vous les voyez s'afficher, même si le visuel est peut-être pas très visible. Elles ne sont pas toutes réalisées. Il y en a certaines qui vont aussi être mises en ligne dans les semaines à venir. Notamment la fiche initiative sur la ville de Paris, une fiche sur Bouygues Construction et deux fiches sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, qui nous donnent à voir d'autres exemples, d'autres initiatives intéressantes sur cette prise en compte de la neutralité carbone. Sera aussi produit un livrable de synthèse pour dégager enseignement tout au long de ce cycle, et qui sera produit, je pense, pour la rentrée. Donc, je vous invite à rester connectés sur notre site et y revenir de temps en temps. Alors, puisque j'ai peut-être éteint, je ne sais pas si... Voilà, je reprends. J'arrête le partage, je ne te vois plus. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, normalement. Alors, je vais profiter, puisque là, on conclut quand même ce cycle de 6 rencontres. Je vais prendre un tout petit peu plus de temps, allez, 2 minutes pour les remerciements, parce qu'on est toute une équipe derrière l'organisation de ces rencontres. D'abord, quand même, remercier l'ensemble des participants qui ont été quand même nombreux et fidèles tout au long du cycle. On verra sur l'évaluation, là, les personnes aussi qui sont revenues ou celles qui ont participé de manière plus ponctuelle. Un grand merci aussi à l'ensemble des intervenants. Il y a eu quand même beaucoup d'intervenants qui ont participé à chaque rencontre. Merci pour leur disponibilité, pour la richesse des propos et les échanges. Nous, en back-office, on a essayé de faire le travail au mieux de synthèse pour te diffuser un certain nombre de questions. Il y a eu aussi le fil de discussion avec quelques réponses individuelles. Voilà, désolée si on n'a pas pu répondre à tout le monde. On espère que justement tous les livrables qui sont très complémentaires, les replays, les livrables qui sont très complémentaires pourront apporter quand même toutes les précisions demandées. Je remercie Rougif Territoire avec toi Louise et Solène Devine pour votre appui, pour la qualité du travail fourni et le sens de travail en équipe. C'est toujours très agréable de travailler de cette manière-là. Et puis, je remercie évidemment tous les collègues de l'Institut. Nous avons formé un petit comité de pilotage restreint avec nos directeurs donc de l'environnement, du développement économique et de l'AREC, et Stéphanie qui nous a aidés aussi en tant qu'assistante pour l'organisation de pas mal de réunions. Et puis merci à mes collègues tout particulièrement, Sandra Garrigou, Erwan Cordeau, Martin Arouette, Francesca Baronzen qui ont formé le petit noyau dur technique pour l'ensemble de la préparation de ces rencontres, mais je n'oublie pas les autres collègues, notamment pour cette rencontre, Frédérique et Florian qui ont participé tout à l'heure, et Corinne, et tous les collègues aussi de la médiathèque alors je suis désolée, je sais pas si, si je vais les citer, de la médiathèque et de la communication pour tout le travail fourni, Édouard, Virginie, Linda, Inès, Olivier, je vais en oublier évidemment, je crois qu'on était presque plus d'une vingtaine de personnes. Et puis aussi, pour vous dire qu'on a pu organiser en interne des réunions avec des départements et beaucoup de personnes pour nous aiguiller, pour enrichir aussi nos réflexions dans le cadre de ces rencontres-là. Voilà, c'était la dernière, je tenais quand même à faire tous ces remerciements parce que c'est un gros travail d'équipe et beaucoup d'investissement. Voilà, merci Louise, je te rends la main. Merci Sophie. Bah, je me joins à toi du coup pour remercier l'ensemble des intervenants, des participants qui nous ont suivis avec assiduité, certains pour les 6 rencontres, et puis aussi toute l'équipe projet, parce qu'effectivement c'est un travail qu'on crée à plusieurs et qui demande beaucoup d'énergie de beaucoup de gens différents, donc merci à tous. Alors, pour conclure, il n'y a peut-être qu'un seul mot, c'est dire que le chemin de la neutralité carbone, c'est quelque chose qui est complexe, mais comme on l'a vu tout au long de ce cycle, c'est faisable. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, il est grand temps qu'on s'y engage tous. Voilà, ça sera un petit peu le mot de la fin, si je puis dire. Je vous souhaite... T'es d'accord avec moi? Bon, très bien, ouais. Parfait. Donc, exactement. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon jeudi à tous et puis à vous dire au revoir et peut-être à bientôt sur d'autres webinaires. Au revoir.